Bonjour. Bonjour. Bonjour les gars. Je suis désolée pour le retard, mais comme vous pouvez le constater, je suis évidemment très fatiguée. Néanmoins, chose promise, chose due, nous allons faire ce live ce soir. Bonjour, partageons juste quelques minutes pour partager. Et pendant que nous partageons, je vais en profiter pour lancer une petite vidéo, juste le temps de le partager et que les gens nous rejoignent. Cette vidéo, elle a tout son sens et tout son contexte, hein? Un instant. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Macron. S'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Pendant ce temps-là, au salon de l'agriculture, un activiste camerounais interpelle Emmanuel Macron. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. J'ai interpellé le président Macron. La situation est tellement désastreuse que, voilà, un Camerounais comme moi ne pouvait pas rester insensible face à tout ce qui se passe. Opposant au président camerounais Paul Biya, il dénonce un massacre confirmé par l'ONU survenu le 14 février dans un village du nord du pays. Ce jour devait être un jour heureux, mais ce fut un jour de deuil. Il y a eu, aujourd'hui on parle de presque 24 personnes qui étaient brûlées dans leur domicile. Une attaque perpétrée par l'armée camerounaise, il faut le dire. L'armée camerounaise tue les civils innocents. Et c'est insupportable. Il y a une épuration ethnique qui se passe. Il y a un génocide. Je pèse mes mots et je les assume. Il y a un génocide. La preuve, le président Macron m'a dit, je sais. Je reviens encore sur ce mot. Je sais. Il y a un génocide qui se prépare. Nous tirons la sonnette d'alarme depuis des mois, depuis des années. Personne ne nous écoute. Et les personnes qui ont été visées, comme d'habitude, hein, c'est des populations civiles innocentes. Des populations qui n'avaient ni armes, ni couteaux, ni machettes, rien. C'était une opération de vengeance. Ce sont mes frères qui ont été tués. Des femmes et des enfants. Et notamment des femmes enceintes. C'est odieux. C'est horrible. Et aucun État normal dans le monde ne peut supporter cela. Depuis 2017, le conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone camerounaise, a déjà fait plus de 3 000 morts et 700 000 déplacés. I'm praying that all Cameroonians should be God-fearing and then they should stop this issue of killing our citizens. Ce conflit oppose l'armée et des groupes séparatistes. Les deux camps sont accusés de crimes et d'exactions contre des civils par des ONG internationales. C'est bien beau de dire aux Camerounais, oui, on vous a compris, oui, il faut que la guerre cesse, oui, il faut que le jeu politique s'ouvre au Cameroun, mais maintenant, il faut joindre les actes à la parole. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je vais vraiment vous sécher. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je mets la pression sur chacun, je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. La promesse d'Emmanuel Macron de mettre la pression sur le président camerounais a provoqué la colère d'une centaine de Camerounais, soutien du président Paul Biya, qui ont réagi devant l'ambassade de France à Yaoundé. So please, let France leave us alone. We are big alone to solve our personal problems here.
Le 14 février, 23 personnes, dont une majorité d'enfants, sont mortes au cours d'une opération militaire dans le village de Ntumbo, dans le nord-ouest anglophone du Cameroun. Une partie de l'opposition camerounaise, mais aussi de nombreux témoins, interrogés par des ONG et par l'ONU, ont accusé des militaires camerounais d'être à l'origine de cette tuerie. According to information from UN colleagues on the ground, among the 23 people killed were 15 children, 9 of whom were under the age of 5. The victims also included 2 pregnant women, one of whom died of her injuries in hospital. The attack on the 14th of February is a shocking episode. In the ongoing crisis, it's been afflicting the northwest and southwest regions, as the Anglophone regions, for the past 3 years. Witnesses to the attack said that some 40 armed men, including members of the security and defense forces, attacked the village, opening fire on the people and burning down houses. Le gouvernement du Cameroun, lui, affirme qu'il s'agirait d'un affrontement entre l'armée et des séparatistes qui aurait provoqué un incendie ayant entraîné la mort de 5 personnes. Despite repeated calls for, to protect... Il a essayé de te draguer, tu as refusé. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live où j'essaierai de faire certaines clarifications. À l'entame de ce Facebook Live, je vous ai fait passer un reportage d'un média français sur l'exploit d'un activiste camerounais qui avait réussi en 2020 à interpeller Monsieur Macron, le président de la République française, le président de la 5e puissance mondiale, celui-là même qui est le patron de la France-Afrique, celui qui donne des instructions et qui dirige de main de fer les pays qui ont été colonisés en effet par la France en Afrique. Donc, un activiste camerounais accomplit l'exploit d'interpeller M. Macron au Salon de l'agriculture. Cet activiste n'est nul autre que Calibri Calibro. Cet acte a été salué par tous. Il a été retransmis dans le monde entier. Il a fait la une de nombreux journaux. Il a interpellé le gouvernement camerounais. Il a amené des Camerounais pro-Biya à sortir dans la rue et à manifester. Et alors nous nous disons, oui, c'est un coup de génie. Oui, c'est un exploit. C'est inégalable. Et tout le monde était content. Et vous savez, à cette époque, j'étais dans le culte de la personnalité, justement, de cet activiste. J'ai multiplié des lives où je chantais à la gloire de cet activiste. Et avec raison. Avec raison, parce que ce qui s'est passé sous nos yeux était assez spectaculaire, c'était historique, c'était salué par tout le monde. Mais que s'est-il passé pour que le dit activiste soit aujourd'hui honni, banni, rejeté, hué, conspué par toute la diaspora, par tout le combat camerounais? Qu'y a-t-il eu de véritable pour qu'un héros de cette envergure? Parce qu'il faut le dire, aucun combattant africain n'avait réussi à interpeller un homme politique aussi important qu'Emmanuel Macron, l'amener à répondre à des questions, l'obliger à briser le protocole diplomatique et ainsi froisser toute une république et tout un régime. Que s'est-il véritablement passé pour que quelqu'un qui atteint de tels sommets dans son combat, dans son art, puisse être aujourd'hui hué, conspué, rejeté, vomi, honni et banni? Parce que c'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, vous savez, c'est avec le cœur lourd que je fais ce live. Et c'est d'ailleurs pour cela que ça m'a pris plus d'une heure pour me préparer psychologiquement à venir vous parler. Parce que le live que je vais faire ce soir, c'est un live qui m'a demandé beaucoup de force morale. Parce que le combattant en question, l'activiste en question, c'est quelqu'un que j'ai porté dans mon cœur.
C'est quelqu'un que j'ai aimé d'un amour vrai et sincère. C'est quelqu'un que j'ai adulé, que j'ai adoré, que j'ai porté au firmament. C'est quelqu'un que j'ai aidé à bâtir avec mes mains. C'est quelqu'un pour lequel je me suis battue avec mes entrailles, avec mes tripes. C'est quelqu'un pour qui j'étais prête à faire du mal. Oui. C'est avec le cœur lourd et l'âme meurtrie que je vais faire ce live ce soir. C'est un live que j'ai voulu éviter par tous les moyens. C'est un live que j'ai essayé avec toutes les forces de ne pas faire. Mais la force de la situation m'oblige enfin à sortir de ma réserve. Oui, j'ai fait des posts titillants, le dit activiste. Oui, j'ai fait peut-être un live ou deux, le titillant. Mais je ne suis jamais vraiment entrée dans le détail, dans la description de qui est ce personnage. Quelle est mon expérience, mon histoire avec le dit personnage. Asseyons-nous, partageons, écoutons, mais surtout, ayons un esprit ouvert, critique et porté vers l'amour, le changement de notre pays. Ce que je dirais aujourd'hui ne relève que de mon expérience. Et chacun est libre, d'ailleurs tout le monde le fait, de parler de son expérience. De moi, les gens ont dit, chacun a dit tout ce qu'il a voulu, comme il a voulu. J'ai des fois pleuré, mais surtout, j'ai avancé. Aujourd'hui, j'ouvre enfin la valise, la boîte à Pandore. J'aimerais que le caporal grillé Kemta soit connecté dans ce live. J'aimerais que les combattants du UK, dont Mafolor que j'ai vu ici, j'espère que Blanche-Neige est là, Baleine Blanche et toutes les autres sont connectées. Si elles ne sont pas connectées, je vous prie de leur faire parvenir ce live. J'aimerais que les combattants de France soient connectés dans ce live. J'aimerais que le général Wanto soit connecté dans ce live. Parce que ce live s'adresse beaucoup plus aux combattants qu'au public. Je peux encore faire repasser cette vidéo parce qu'elle m'émeut, hein, chaque fois que je la regarde, je suis émue. Et en regardant cette vidéo, je me promets de faire ce live dans un esprit d'éclairage et non de règlement de compte, encore qu'il n'y a pas de compte à régler. Je n'ai aucun compte personnel avec ce monsieur. On a côtoyé, dans le cadre du combat, nous sommes restés des camarades de lutte. Je n'ai jamais eu à avoir quelques échanges hors du combat, ou alors quelque peu avec cet individu. Donc, nous restons dans le cadre du combat. Je vous fais repasser encore cette petite vidéo. Monsieur Macron, il y a pas de bien qui tue les Camerounais, Monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. Faut bien tuer. Attendez un instant. Les Camerounais, Monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais et nous sommes des morts, Monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, Monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, Monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. S'il vous plaît, Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, Monsieur Macron. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, Monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai appelé la Méditerranée, Monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. Pendant ce temps-là,
Au salon de l'agriculture, un activiste camerounais interpelle Emmanuel Macron. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... Je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. J'ai interpellé le président Macron. La situation est tellement désastreuse que... Voilà. Un Camerounais comme moi ne pouvait pas rester insensible face à tout ce qui se passe. Opposant au président camerounais Paul Biya, il dénonce un massacre confirmé par l'ONU survenu le 14 février dans un village du nord du pays. Voilà. En fait, je voulais juste vous montrer l'interpellation de M. Macron parce que ça reste une phase décisive de notre combat. Ça reste un acte héroïque. Ça reste quelque chose d'inoubliable. Et moi, ce qui me marque surtout dans cette interpellation, c'est la sincérité dans la voix. Lorsque j'entends la voix du combattant, j'entends une voix qui tremble d'émotion. En ce moment-là, il est sincère. En ce moment-là, il est dans son combat. En ce moment, il est à fond. Oui, c'était le grand Kalibri. C'était le Kalibri que j'ai adoré, que j'ai aimé de tout mon cœur. C'était le Kalibri que j'ai porté. Parce que ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on va parler et dire tout ce qu'on veut de Kalibri qu'on va lui enlever ses qualités et encore moins ce qu'il a fait de bien dans notre combat. Je ne serai pas malhonnête pour le faire. Ne comptez pas sur moi pour le faire. Non. Kalibri, en fait, est l'activiste camerounais masculin le plus talentueux que j'ai connu. Ça, je le dis. Kalibri est l'activiste camerounais le plus talentueux que j'ai connu. Pourquoi je dis talentueux? Parce que ce garçon, dans son combat, il a mené des actions. Il a mené des actions, il a fait preuve de courage. Il a fait preuve de créativité. Parce que oui, il a fallu de la créativité pour captiver l'attention des médias, pour captiver l'attention du public, pour captiver la passion. Il a ce génie. Je ne peux pas le lui enlever. Et ni moi, ni personne d'autre. Kalibri, quand il avait ce génie, il est celui qui a fait rêver le peuple camerounais. Il est celui qui a fait rêver le peuple. Que s'est-il passé pour que ce garçon, au combat si prometteur, devienne celui qu'il est aujourd'hui? Je vais vous dire, et c'est la raison pour laquelle je commence ce live avec cette vidéo. Cette action au salon de l'agriculture a malheureusement été l'action la plus glorieuse de Kalibri, mais ça a aussi été le début de sa chute. L'action la plus glorieuse, la plus parlante, la plus signifiante de Kalibri a aussi été l'action qui l'a fini, l'action qui l'a mené à ce qu'il est aujourd'hui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comme tous les Camerounais, je connais Kalibri dans la toile. Mais avant de connaître Kalibri dans la toile, je suis dans les groupes de combat avec Kalibri et tous les autres combattants. Le premier groupe de combat s'appelait Coordination. Le premier groupe de combat s'appelait Coordination et c'est un combattant qui est en prison au Cameroun aujourd'hui. Je vous ai déjà raconté l'histoire. Sidik Sangou qui me met dans ce combat. Après m'avoir repéré dans la page de Anango, où je faisais les commentaires pendant la campagne électorale du président Kamto. Alors que le président Kamto fait sa campagne, Anango a une page où il analyse la campagne du président Kamto et la page d'Anango est très, très suivie. Alors, je fais un commentaire dans cette page et je suis repéré par Sidik Sangou qui m'introduit dans le groupe de combat. Et dans le groupe de combat, donc, qui est Coordination,
il y a tous les combattants et c'est dans ce groupe que je fais pour la première fois les échanges avec les autres combattants. Évidemment, il y a des combattants aujourd'hui qui n'étaient pas dans le combat à cette époque. Et il y a des combattants qui étaient à cette époque qui ne sont plus dans le combat. Et ce n'est que très normal parce que le combat évolue. Il y a des combattants aujourd'hui qui sont au-devant du combat, qui n'étaient pas dans le combat et dans les groupes de combat à cette époque. Je répète cela et c'est très important. Donc, je suis dans le groupe de combat coordination à partir de novembre 2018, octobre 2018 même, alors qu'on menait déjà les boycotts. Et Calibri, je le vois dans les actions à Facebook avec tous les autres combattants, je l'admire. Et il me fascine évidemment comme il fascine tout le monde. De par son charisme, de par sa présence, sa prestance, de par ses actions. Évidemment, au fil des années, nous devenons proches stratégiquement dans le combat. Nous devenons proches dans le combat et nous avons un mentor commun qui s'appelle Brice Ninche. Nous avons un mentor commun qui s'appelle Brice Ninche. Alors, Brice Ninche, c'est celui qui, évidemment, m'encadre dans le cadre des groupes, dans la stratégie du combat. Pendant que le caporal Grier Kemta est mon parrain sur le terrain, en fait, quand je sors mener les actions, j'observe le caporal Grier et il m'inspire, quoi. Donc, Brice Ninche est notre mentor à nous deux. Et Brice Ninche a cette idéologie, et il me le répète toujours, il me dit... Sandy, tu es la meilleure des combattantes féminines. Tu as beaucoup de courage, beaucoup de charisme, beaucoup de gnaque. Et je te vois bien avec Calibri. J'aimerais que tu restes toujours avec Calibri. Parce que vous deux, vous faites peur au régime. Lorsque vous êtes à deux, le régime de Yaoundé a peur. Donc nous travaillons ensemble. Nous sommes évidemment avec les concours, les circonstances, les choses. On se retrouve dans un groupe de travail et... Et on travaille ensemble, on s'entend très bien, comme vous l'avez vu pendant au moins 2 ans dans le combat. On s'entend très bien. Là où les choses commencent à basculer et je commence à me poser des questions. Parce que même après cet acte de M. Macron et ce qui s'est ensuivi, des personnes commencent à me faire des remarques, des observations, mais je suis sourde, aveugle à ce qu'on me dit. Je ne veux pas écouter. Mais... À un moment donné, donc, vers la fin 2020, il y a des événements qui se passent dans le groupe qui m'interpellent. Je vois un virage du groupe où je suis qui commence à prendre une attitude anti-Kamto. Qui commence à prendre une attitude anti-Kamto. Et cette attitude m'inquiète. Or, cette attitude arrive à un moment où, dans la toile, j'étais violemment attaquée par une sardinade qu'on appelait... Cercueil d'Afrique ou c'est Berceau d'Afrique. Berceau d'Afrique qui m'a violemment attaqué et qui m'a donné le nom Ambulu, en Eundo, pardon, en langue bétie, qui m'a dit que je m'appelais Nkule Kamto, le tam-tam de Kamto. Et moi donc, quand les sardinats m'insultent, je récupère ces insultes et j'en fais quelque chose de glorieux. Je récupère ce nom et j'ai dit, ok, à partir d'aujourd'hui, je deviens officiellement l'Nkule Kamto, le tam-tam de Kamto. Alors, j'adopte ce nom dans ma page et je commence donc à faire le tam-tam de Kamto dans ma page Facebook. Le groupe WhatsApp où je suis, le groupe de travail où je suis avec Calibri et Dan Kassé, Karim Bibian Richaud, ainsi de suite, m'interpellent. Ils organisent une réunion où ils me demandent qu'ils ont constaté que ma page est devenue une page de propagande du MRC et que je dois arrêter cela parce que la base, ce n'est pas le MRC. Que nous ne sommes pas là pour supporter Kamto, nous sommes là pour changer le Cameroun et que je dois arrêter de faire la propagande de Kamto et du MRC. Les avis sont d'ailleurs partagés dans le groupe. Il y en avait qui disaient que je suis libre de faire ce que je veux, ce qu'on n'est pas obligé de me faire adopter une attitude. Et il y en avait qui disaient que non, les activistes ne doivent pas supporter un politicien. Donc, ça commence à partir de là. Ensuite, je vois maintenant dans le groupe des commentaires dérisoires envers le président élu. Des gens, c'était pendant la période COVID, nous sommes en 2020, qui disent que Kamto est où, on ne le voit plus. Kamto est mou, il est lent, il est faible.
Il y en a même une qui allait jusqu'à dire que Kamto, c'est du passé. Kamto n'existe plus. Alors, ça m'inquiète et je leur demande. Mais vous savez qu'il est en résidence surveillée, non? Vous savez qu'on l'a empêché de bouger, non? Vous voulez que Kamto fasse quoi? Même ici en diaspora, à cause du COVID, les combattants ne sortent plus. Je me rappelle pendant la période COVID, j'étais seule avec les Bobby Tanap. Et ça, je mets au défi quiconque. Pendant toute la période COVID ici, il n'y avait que les Bobby Tanap qui étaient dehors, en train de parcourir l'Europe. Pendant que le président Kamto était en résidence surveillée, j'étais dans le froid à Bruxelles avec Annie Choco, avec Aniel Amar, avec Maman Élise. J'étais dehors en train d'exposer mes seins nus. Et que des gens étaient assis dans la toile, ils se moquaient de nous. Pendant la période COVID, 2 ans que le COVID a duré, les combattants sont restés chez eux. Il m'arrivait de payer les billets d'avion à 600 pounds, Paris, Londres, 600 pounds pour aller à une action. Il m'arrivait parfois de payer le train 300, 400 euros pour aller à Bruxelles. Pendant la période COVID, j'étais dehors avec les Bobby Tanap. Nous étions les seules femmes. Et d'ailleurs, c'est nous qui avons soulevé, qui avons fait secouer le combat pendant la période COVID. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du Cameroun. Et donc, je dis à ces gens, même ici en diaspora, le combat est un peu en arrêt à cause du COVID. Qu'est-ce que vous voulez de Kamto? Et cette attitude commence à m'interpeller. Cette attitude commence à m'interpeller. Moi qui suis profondément pro-Kamto. Et cette attitude m'a même à un moment donné à me poser des questions. Alors, je commence à prendre ma réserve. Et je constate aussi que dans le groupe, il y a une certaine réserve. D'ailleurs, ça a été confirmé lorsqu'on s'est séparés, puisque leur camarade Kian Iland avait confirmé ici devant vous qu'ils avaient déjà créé un autre groupe où je n'étais pas et où les choses se décidaient. Donc, j'étais dans un groupe factice, en fait. Et donc, ce qui se passe après la rencontre avec M. Macron, ce qui se passe, c'est que le combattant Calibri Calibro prend attache avec le cabinet de M. Macron. Puisqu'il a interpellé et il veut une suite à son action, le protocole de M. Macron lui donne des contacts. Le protocole de M. Macron lui donne des contacts. Et on lui promet qu'il aura suite à ses demandes. Calibri Calibro revient célébrer un héros de cette action. Et il revient nous dire qu'il a eu le contact de l'Élysée. Et que l'Élysée lui a promis qu'il aura suite à ses réclamations. Alors que nous nous attendons à ce que le combattant Calibri convoque toute la résistance et dise à toute la résistance camerounaise que vraiment, combattant, grâce à cette action, nous avons une ouverture. Nous avons une ouverture de négociation diplomatique avec l'Élysée. Et c'est très important. Ce que je vous dis est un tournant de notre combat et c'est très important. C'est très important parce qu'on sait que c'est la France qui maintient Biya au pouvoir. D'ailleurs, M. Macron l'a dit. Il a dit qu'il sait qu'il y a le génocide au Cameroun. Et il dit qu'il a demandé à M. Biya de libérer les prisonniers. Il le dit. Il a dit à Biya que s'il ne libère pas Kamto, il ne viendra pas à Lyon. C'est Macron qui le dit. Donc, on a cette confiance, on a cette réassurance que Macron est en effet celui qui tient le dernier mot sur le pouvoir au Cameroun. Et Macron vient de donner un contact, une ouverture à notre combat. N'importe quel combattant sérieux, n'importe quel combattant conscient, n'importe quel combattant qui... Un instant. N'importe quel combattant qui se bat afin que... Une ouverture. Un instant. Qui se bat afin qu'il y ait un changement, aurait saisi cette opportunité et aurait dit aux combattants, combattants, réunissons-nous. L'Élysée nous a donné une ouverture. Qu'est-ce qu'on fait de cette ouverture? Pourquoi est-ce que n'importe quel combattant sérieux l'aurait fait?
Parce qu'une ouverture avec l'Élysée, ça aurait été une opportunité d'aller enfin déposer nos réclamations à qui de droit. Parce que lorsque nous marchons dans les rues de Paris, lorsque nous avons marché le 18 mai à Paris, c'était justement pour que les autorités françaises nous voient et nous entendent. Lorsque nous marchons dans les rues, c'est pour interpeller ces autorités. Voilà que nous avons l'adresse et le rendez-vous avec les autorités. Qu'est-ce qu'on fait? N'importe quel combattant sérieux aurait convoqué toute la résistance. Aurait même convoqué un état général de la résistance et dit, voici l'ouverture que nous avons obtenue à travers cette action. Que faisons-nous? Étant consciente de nos limitations, moi Sandy, je suis une infirmière, je ne suis pas une politique, je ne suis pas une diplomate, je ne suis pas une politicienne. Je ne peux pas, mais alors vraiment pas, prendre sur moi d'aller négocier avec l'Élysée pour tout un combat qui concerne tout un peuple. Je n'ai pas le pouvoir, la connaissance de le faire. Même si je suis la plus grande combattante de terrain, je ne peux pas avoir cette prétention. Ça aurait été cela. On a des grands frères dans ce combat qui ont de l'expérience en matière militante, qui ont de l'expérience en matière diplomatique, qui ont de l'expérience en matière politique. On aurait fait appel à ces grands frères et dire, grands frères, que faisons-nous? On aurait même fait appel à tous nos alliés politiques. Je dis bien tous nos alliés politiques, y compris les partis politiques, pour s'asseoir ensemble et trouver une solution. Que faisons-nous? Mais non. Mais non. Ça ne s'est pas négocié comme ça. Personne n'a été consulté. Personne n'a été appelé. Personne n'a été informé. Y compris nous-mêmes dans le groupe de travail de la BAS. Nous n'étions pas au courant. Personne, nous n'avons pas su. Comment le rendez-vous a été pris? Par qui le rendez-vous a été pris? Quelle était la date du rendez-vous? Quel était le calendrier des conversations? Personne n'a jamais su. Personne n'a jamais su. Personne. Je vais vous montrer ce que nous avons par contre reçu ce jour. Alors, nous sommes le 15 septembre 2020. C'est un jour ordinaire comme tous les autres jours dans le combat. Nous sommes dans les groupes de combat, nous échangeons, nous discutons, nous rigolons. Rien d'extraordinaire. Et puis, un jour, un matin du 15 septembre 2020, dans notre groupe de combat, où je suis avec ce combattant et quelques autres, nous recevons ce message. Regardez, parce que c'est sorti, parce que comme ça fait longtemps et que j'ai changé de téléphone, pour retrouver exactement ce message, j'ai tapé les mots-clés et ça m'a sorti exactement le message et le jour. Regardez bien. C'est en jaune, hein? Regardez bien en jaune. Pardon. Je vais vous lire ce que ça dit. En ce moment, reçu au Quai d'Orsay. Nous sommes le 15 septembre 2020 à 10h30, heure du UK. Parce que les messages s'affichent dans mon téléphone à l'heure de mon pays. Donc, nous sommes le 15 septembre 2020 à 10h30, heure du UK. Calibri Calibro nous envoie dans le groupe de travail ce message. En ce moment, reçu au Quai d'Orsay. Regardez bien. En ce moment, reçu au Quai d'Orsay. Et il y a quelqu'un d'autre, puisqu'ils m'ont déjà tous bloqué, dont leur nom a disparu, je n'ai que le numéro de téléphone, qui répond en bas. Ah, j'ai plus de mots, mon frère. Voilà ça. Et l'autre qui lui donne les mains. L'autre qui lui donne les mains. Et puis en bas, quelqu'un dit, prends-moi tous les clichés. Prends-moi tous les clichés. Et puis en bas, vous avez Dre, regardez, Dre ici en bas, qui répond, putain, Calibri, vraiment, tu es un champion.
il parle, mais il n'y a pas ton deux, Bebela. Voilà ça. Reçu au Quai d'Orsay le 15 septembre 2020. Calibri a été reçu au Quai d'Orsay le 15 septembre 2020. Et je découvre ça dans le groupe comme tout le monde. Et comme vous voyez, c'est la surprise aussi pour tout le monde. Personne ne savait qu'il partait au Quai d'Orsay. Les réactions dans le groupe sont des réactions de surprise, d'acclamation, d'exaltation. Reçu en ce moment au Quai d'Orsay. Reçu en ce moment au Quai d'Orsay. On donne les mains et on dit « Putain, Calibri !» Regardez le message d'en bas. « Putain, Calibri, vraiment, tu es un champion. » il parle, mais il n'y a pas ton deux. Et je confirme, cette action était, l'action de Macron, c'était la chimamélure. Donc voilà comment nous sommes dans le groupe de travail et on découvre que notre camarade dans le groupe est en ce moment même où on parle à l'Élysée, au Quai d'Orsay, est reçu au Quai d'Orsay. Voilà donc quelqu'un qui porte tout un combat. Parce que quand Calibri s'en va au Quai d'Orsay, ce n'est pas parce que c'est lui l'individu Calibri qui a accompli un exploit. C'est parce qu'il se bat avec des combattants sur le terrain. Il n'a pas eu l'humilité, la décence d'appeler les autres combattants et de leur demander comment on fait, qu'est-ce qu'on va dire, comment nous allons négocier cela, quels seront nos objectifs, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Il est parti seul, sans dire à qui que ce soit. Il est entré à l'Élysée, au Quai d'Orsay. Il a été reçu et il est ressorti de là. Nul n'a jamais su la teneur des conversations que Calibri a eues au Quai d'Orsay. Personne n'a jamais su ce que Calibri a causé au Quai d'Orsay. Personne n'a jamais su ce qu'on lui a proposé ou ce que lui-même a proposé au Quai d'Orsay. Personne n'a jamais su quel est le résultat de sa rencontre au Quai d'Orsay. Rappelons au passage que l'administration de Macron refuse de recevoir le président Kamto depuis 2018. Ça, c'est un petit détail au passage. Rappelons au passage que l'administration de Macron refuse de recevoir le président Kamto, qui est le leader de l'opposition au Cameroun, depuis 2018. Le président Kamto a été reçu par l'administration Obama. Il a été reçu par l'administration Bush, le président Kamto. Il a été reçu aux États-Unis par l'administration qui gouvernait. Mais en France, on a refusé de le recevoir. Allez savoir pourquoi la France refuse de recevoir le président Kamto, mais donne un rendez-vous à Calibri. Calibri va à ce rendez-vous en secret, ne dit à personne, n'informe personne, ne dit à personne quelle était la teneur de cette discussion avec l'administration de Macron, mais nous informe quand même qu'il était au Quai d'Orsay. Mais je vous promets une chose, depuis cette rencontre au Quai d'Orsay, l'attitude de ce garçon a changé. L'attitude de Calibri a changé depuis qu'il est sorti du Quai d'Orsay. Calibri, depuis sa sortie du Quai d'Orsay, la première chose qu'il a commencé à faire, c'était de dire qu'on ne doit plus attaquer la France. C'était de dire que non, on ne doit pas attaquer, on ne doit plus attaquer la France. Et à ce sujet, il s'est disputé avec le caporal Grillet. Il faut avouer que moi-même, à une certaine époque, moi, j'étais d'accord, mais le fait, là où je me trompais ou alors je m'amêlais les pédales, c'était que oui, nous les activistes, nous avons le devoir, l'obligation d'attaquer tous ceux qui maintiennent le pouvoir de Biya à Yaoundé. Mais le politique Kamto, l'homme politique Kamto, a l'obligation de travailler avec tous les pays en tant qu'homme qui a
tendance à vouloir diriger ce pays. Le président Kamto aura à travailler avec tous les pays. Donc, lui, il est dans une situation différente. C'est un homme politique. Il a l'obligation de la diplomatie. Il a l'obligation de la diplomatie parce qu'il va devoir travailler avec tous les pays. Mais nous, en tant qu'activistes, nous sommes là pour dénoncer. Nous sommes là pour dénoncer. C'est vrai que dénoncer ne veut pas dire médire, faire de la médisance, ne veut pas dire fabriquer de fausses informations, ainsi de suite. Donc, Calibri commence par nous dire qu'on ne doit plus attaquer la France. Calibri commence à nous dire qu'on ne doit plus attaquer la France. Et il se prend la tête avec des combattants pour cette affaire d'attaquer la France. L'attitude de Calibri change envers le président Kamto et envers le combat du président Kamto. L'attitude de Calibri change envers le président Kamto et envers le combat du président Kamto. Et avec lui, tous ceux qui sont proches de lui. Calibri commence à croire qu'il est l'égal, sinon le supérieur du président Kamto. Calibri commence à penser que Kamto est leader au Cameroun et lui, il est leader en diaspora. Calibri commence à se comparer au président Kamto. Commence à manquer du respect au président Kamto. Et avec lui, tout son entourage. Vous avez suivi sûrement quelqu'un qui disait, qui se moquait du président Kamto en disant que si on arrête Calibri au Cameroun, les Camerounais vont sortir. Si on arrête Max. Attendez, je pense que je peux vous rafraîchir la mémoire. Hein. Je pense que je peux vous rafraîchir la mémoire. Un instant, je retrouve l'élément. Voilà. Oh, la honte que vous avez versée sur nous, hein, Maman Sarah. Vous avez pris toute la fausse sceptique du 237, vous avez versé sur nous. La honte de ça. On peut traiter cet homme-là de fort. C'est Kamto, c'est de Kamto qu'on parle. Ils se moquent de nous, ils disent qu'on a traité Kamto de fort. Un politicien fort, on le voit par la masse. Quand le politicien arrive à faire sortir samedi, moi-même. Voilà, un politicien fort, on le voit par la masse que le politicien arrive à faire sortir. Il y a eu le meeting de Japoma. La masse est sortie. Ni cette femme, ni Calibri, ni Max, ni personne n'a rien dit. Mais c'est eux pour se moquer de Kamto. Et là, nous sommes en 2020. Parce que quand on met Kamto en résidence surveillée, ils disent à qui veut l'entendre que Kamto ne mobilise plus. Kamto n'engrange plus les habitants. Et que si on arrête Calibri, les Camerounais vont sortir. On arrête Kamto, personne ne sort. Mais il y a eu meeting à Japoma, aucun mot. Mais elle le dit. Elle dit qu'un politicien est fort lorsqu'il fait sortir les gens. Il n'a pas besoin de vous dire de sortir. Même si vous dites de rentrer, vous restez là. C'est vous sa force. Vous n'êtes pas là, il n'est pas fort. Point final. Vous n'êtes pas là, il n'est pas fort. C'est nous qui avons fait la force de Maurice Kamto, nous à l'étranger. Si nous n'étions pas sortis, le hold-up électoral serait mort dans l'œuf. C'est vous à l'étranger qui étiez à Japoma ce week-end? Point d'interrogation. C'est nous qui avons fait sa force. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire? Certains d'entre vous avez décidé de tuer les activistes. Comme si vous avez la force là. Vous êtes toujours dit que vous ne nous valez pas. Prouvez-moi le contraire. Moi, si là, au Cameroun, je rassemble plus de personnes que Maurice Kamto, Alfred Makanda. Moi, si là, je vais au Cameroun. Elle, si elle va au Cameroun, elle rassemble plus de personnes que Maurice Kamto. Japoma a parlé, hein. Japoma a parlé. Si on m'arrête, il y a plus de personnes qui vont sortir que lorsque Maurice Kamto a arrêté. Vous avez tous peur, non? Oh, mon cher. Oh, il n'a pas dit que. Oh, il n'a pas dit que. Oh, il n'a pas dit que. Voilà qu'on l'a jeté. C'est-à-dire la deuxième ville du Cameroun. L'a jeté dehors. On ne sait même pas qui l'a jeté dehors. Si tu vas voir même, ce sont les pauvres petits policiers qui ont décidé qu'il n'était pas le bienvenu. On l'a jeté dehors. Fort, 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 fort. Et vous racontez des conneries. On l'a escorté. Il
a vraiment prouvé qu'il est président. Vous avez déjà vu quel président, même en zone de guerre, se déplacer avec des galions. Vous avez déjà vu un président se déplacer dans, même en zone de guerre avec des galions. Donc voilà des gens, à partir de ce moment, ils ont commencé à se dire qu'ils ont été reçus au Quai d'Orsay. Kamto n'a jamais été reçu au Quai d'Orsay. Donc, ils sont plus forts que Kamto. Ils sont plus puissants que Kamto. Ils mobilisent plus que Kamto. Si on les arrête, les Camerounais vont sortir. On arrête Kamto, personne ne sort. Donc, l'action de M. Macron a été le tournant. Ces gens, à partir de leur conversation au Quai d'Orsay, ont commencé à penser qu'ils pouvaient proposer une alternative au peuple camerounais que Maurice Kamto. Et ils se sont donc lancés dans un combat contre Maurice Kamto. Et c'est ça qui a donc entraîné les différents discours que vous avez vus. Kamto est faible, il est lent, il est mou. Kamto a échoué. La résistance, on ne veut plus entendre parler ça. Mettez-vous de côté. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans la révolution. Dorénavant, nous allons vous montrer un nouveau leader de la révolution. Nous allons prendre les armes. Attendez que je vous rafraîchisse la mémoire. Attendez. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça non plus. Vous dites quelque chose, je ne suis pas, je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, on va, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous allez vous mettre sur votre couloir tranquillement, vous attendez. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Je répète encore, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Voilà. Voilà donc, après la rencontre avec le staff de l'Élysée, ces gens ont pris le vent en poupe. Ils ont pris des ailes. Ils ont cru et pensé, ils étaient même convaincus qu'ils peuvent former une alternative à Maurice Kamto. Ils étaient convaincus qu'ils pouvaient créer un mouvement, une révolution et écraser celle de Kamto parce que Kamto a échoué. Il est faible, il est lent, il est mou. Ils ont donc multiplié les attaques. Mais l'attaque la plus subtile a été l'attaque tribale. Ils ont voulu tribaliser le combat de Maurice Kamto et se présenter comme une alternative à Maurice Kamto. Et celle qui était donc chargée de mener cette attaque sur le plan tribal, c'était Karine Bibian Richaud. Celle qui était chargée de porter les attaques sur le front tribal contre la résistance de Maurice Kamto, c'était Karine Bibian Richaud. Il porte les attaques sur la résistance du président Kamto et se présente eux-mêmes comme une alternative, présente un projet de révolution. Ils sont convaincus qu'ils ont déjà le pouvoir, qu'ils peuvent faire quelque chose, qu'ils peuvent sortir les Camerounais. Alors, ils nous disent qu'ils vont prendre les armes. Ils nous disent qu'ils vont prendre les armes. Parce que Kamto a échoué. Kamto est lent, il est faible, il est mou. D'ailleurs, Karine Bibian, dans ses multiples lives à cette époque, demande à Kamto de venir déposer le bilan de son combat. Elle lui demande de faire les audits judiciaires de Survival Cameroun. Karine Bibian Richaud est celle qui porte l'épée d'attaque. Pendant ce temps, leur leader Kalibri négocie avec la France pour
prendre les devants de la lutte. Et ils sont sérieux dans cette affaire de lutte armée. Ils pensent que lorsqu'ils vont dire qu'ils vont mener une lutte armée, il y aura des mécènes qui vont venir les financer et ils auront sûrement les moyens de, je ne sais pas, de ce qu'ils voulaient faire. Pour confirmer cela, regardons ceci. Regardons ceci. On va sauf que prendre les armes. Est-ce qu'il faut avoir même peur de dire qu'on va... Est-ce qu'il faut avoir peur de dire qu'on va prendre les armes? Il faut avoir peur de ça. Donc, ils ont des contacts, ils ont des mécènes. Il vous a dit qu'il y a des gens qui venaient lui donner de l'argent en inbox. Ils sont en train de s'organiser pour mener une lutte armée. À cet effet, ils ont des associés, ils s'allient avec beaucoup de combattants du côté des États-Unis. Vous avez vu les Tatamo, ainsi de suite. Ils font des quêtes d'argent, ils décident de mener une lutte armée. Sauf que cette affaire de lutte armée nous interpelle tous. Oui, nous tous, on veut le changement. Oui, nous tous, on veut que le régime de Biya dégage. Oui, nous-mêmes, nous sommes violents sur le terrain en ce qui concerne les boycotts. Et je vais revenir sur cette affaire de boycott parce que c'est ça qui me fait sortir. Il y a tout un chapitre sur le boycott et sur l'affaire Katino. Et je vais vous révéler beaucoup de choses. Nous tous, on est pour ça. Et on est très violents. D'ailleurs, vous savez, moi, je suis violente sur le terrain. Mais est-ce qu'on veut tuer les Camerounais? Est-ce que le président Kamto nous a demandé de tuer les Camerounais? Qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire de révolution armée? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire de révolution armée? Alors, je décide de mener mon enquête. Je me saisis des flyers qui circulent dans la toile. Je prends tous les numéros qui sont sur ces flyers. Il y a 3 numéros. Un numéro belge, un numéro américain et un numéro français. Et lorsque je regarde les échanges dans les groupes, où on parle de guerre armée. Je vois des communications qui indiquent que les trésoriers, pour la révolution armée, ils ont dit qu'ils ne feront pas de collecte dans la toile, mais qu'il faudra contacter Karine Bibian Richaud, dette coloniale, c'était dette coloniale, Tatamo, et la trésorière, c'était un faux profil appelé Malolo. Vous connaissez sûrement ce faux profil, Lorisme, la Congolia, qui change toujours de nom. À un moment donné, les gens m'avaient même accusé d'être ce faux profil-là. Alors, voilà un groupe qui propose être l'alternative au président Kamto, qui nous dit que la résistance pacifique a échoué et qu'eux, ils vont faire la révolution armée. Ils vont chasser Biya avec les armes. Vous avez vu des lives qu'ils ont fait dans la toile où ils disaient qu'en un mois, ils vont dégager Biya avec les armes. Et ils demandent aux gens de cotiser en inbox. Et le trésorier de la cotisation, c'est un faux profil qui s'appelle Malolo. Alors là, je me dis, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On ne peut pas parler de la libération de 30 millions de Camerounais et on confie cet argent. L'argent pour acheter les AK-47. Un faux profil qui s'appelle Malolo. Qui est ce faux profil Malolo? Et les gens qui confient la caisse d'une révolution armée à Malolo, faux profil, connaissent-ils Malolo? Moi, je ne peux pas confier la caisse, même des boycotts, à quelqu'un que je ne connais pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas confier les 200 euros qu'on cotise pour les boycotts à quelqu'un que je n'ai jamais vu. Mais ces gens vous ont dit qu'ils sont une alternative à Kamto. Kamto a échoué et eux, ils viennent avec la révolution armée et ils vont faire la lutte armée. Ils vont faire la révolution armée et le caissier de cette révolution armée, c'est un faux profil qui s'appelle Malolo. Qui est cette Malolo? Des indiscrétions nous disent que Malolo est très, 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 très proche de Calibri Calibro. Je ne mâche pas mes mots aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas dans les histoires de papa d'un timbre, papa machin. Je ne mâche pas mes mots. J'appelle les noms des gens ici aujourd'hui parce que je sais,
Je suis confiante de ce que je dis. Je suis sûre de ce que je dis. Et que celui qui n'est pas content aille porter plainte. Les plaintes, j'en reçois tous les jours. Je vais prononcer les noms des gens. Je n'utilise pas les sobriquets aujourd'hui. J'utilise les noms parce que ce que je dis est ce qui est. Celui qui n'est pas content ou celui qui a une contre-preuve, sorte la contre-preuve et vienne mettre. Je parle de ce que je sais que je peux prouver. Je parle de ce que je peux prouver. Donc, on confie la caisse à Malolo. Malolo qui n'est rien d'autre que quelqu'un de très très proche au commandant en chef. Alors, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire de révolution armée? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce que ces gens pensent instaurer? Ils sont de plus en plus dans une attitude belliqueuse et belligérante envers le président Kamto. Ils font même des lives où ils disent que leur combat dorénavant, c'est de tuer le MRC. C'est de tuer le président Kamto. Leur combat n'est plus d'abattre Biya, mais de détruire le MRC et le président Kamto. Ils s'acharnent sur le MRC. Ils s'acharnent sur le président Kamto. Ils disent que les prisonniers du MRC ne sont pas des prisonniers, que ce sont des mangeurs de tarot. Ils disent que les combattants du Cameroun ne sont pas des combattants, c'est des mangeurs de tarot. Écoutez ce que Calibri dit. Écoutez très bien ce que Calibri dit. Des élections qui arrivent au Cameroun. Écoutons très bien. Et ça rejoint ce que je vous ai dit, qu'il fallait tribaliser le combat du président Kamto pour le décrédibiliser. Écoutez très bien. Écoutez. J'ai les éléments classés, donc je prends un peu de temps pour aller les rechercher. Non, ça me prend un peu de temps. Non, je pense que je l'ai là, j'espère que c'est ça. J'espère que je ne m'en mêle pas les pédales. Hein. J'espère que je ne m'en mêle pas les pédales. Un instant. Si ce n'est pas ça, je vais passer à l'autre. Oh non, ce n'est pas ça. Oh là, un instant. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Si c'est pas ça, je vais passer à l'autre. Cabral Libye vous a dit qu'il non, a c'est dit pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Désolé, un instant. Désolé. Je l'avais tout à l'heure. Je me suis un peu amêlé les pédales. Non, non, c'est pas ça. Ah, comment je l'ai perdu cet élément? Un instant. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, excusez-moi. Je m'en mêle un peu les pédales là. Ah, purée.
référendum, je pense que c'était ça. Aïe, aïe, aïe. Oui, il dit que les élections en 2022, en 2025 seront un référendum contre les Bamileke. Il le dit. Il dit que les élections ne seront pas un référendum contre le MRC. Ce sera un référendum contre les Bamileke. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que le MRC se résume en fait à un parti de Bamileke. Et donc, ça contribue à la tribalisation et le dénigrement du président élu et du MRC pour le qualifier d'un parti tribal. Et vous savez, c'est en ce moment que nous nous disons, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et à ce moment-là, je suis déjà complètement en opposition avec ces gens-là. Et je pense que ça s'est vu dans la toile. Ça s'est vu où nous avons pris des positions très strictes et très fermes. D'ailleurs, nous avons décidé à partir de là de faire bloc derrière le président Kamto. Parce que justement, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces gens se mettent à attaquer le président Kamto, lorsque ces gens décident de détruire, parce que non seulement ils attaquent le président Kamto, mais ils décident de détruire le combat en diaspora. Ils disent que le combat est fini en diaspora et que dorénavant, ça se passera au 237. Ils disent que tout ce que nous faisons dans la diaspora, c'est le Fuma Fuma, c'est la Zumba. Qu'on n'a plus rien à faire en diaspora. Tout se fera dorénavant au 237. Quand ils le disent, et couplé à cela, le fait qu'ils disent qu'ils vont détruire le MRC Europe, ils savent que la diaspora, justement, Dankassé l'a dit. Dankassé le dit que c'est la diaspora qui fait la force de Kamto. Elle sait que s'ils détruisent la diaspora, s'ils détruisent la dynamique en diaspora, s'ils détruisent le combat, s'ils détruisent la force qu'il y a derrière Maurice Kamto, alors ils ont affaibli le combat au 237. Une fois que c'est fait, une fois qu'ils ont détruit le combat en diaspora, une fois qu'ils ont cassé la dynamique en diaspora, une fois qu'ils ont convaincu aux gens qu'on ne doit plus sortir, alors eux, ils peuvent instaurer donc leur fameuse lutte armée, entre guillemets. Et ils peuvent maintenant prendre le pouvoir et dire que c'est eux qui mènent la lutte. Kamto est mort, il est fini, il est mou, il est lent. Le président Kamto n'engrange plus les habitants. Le MRC n'engrange plus les habitants. Si le MRC a 2 millions d'habitants, le reste des 28 millions, c'est pour eux. Donc voilà dans quelle logique ces gens se sont lancés. Et une fois qu'ils se sont lancés dans cette logique, nous les combattants pro-Kamto, nous avons eu un sursaut d'orgueil. Nous avons eu un sursaut d'orgueil, on a dit non. C'est le président Kamto qui nous fait nous lever. C'est l'injustice à la Cour constitutionnelle qui nous a révoltés, qui nous a rebellés. C'est surtout la résistance du président Kamto face à l'oppression. C'est surtout sa pugnacité face à l'adversaire qui font à ce que nous continuons de lui donner notre confiance. Alors que Frundi avait cédé à la pression, alors que Frundi s'était laissé corrompre, le président Kamto a été enfermé pendant 9 mois. Il a été assigné à résidence surveillée dans son domicile pendant des mois. Son parti a été complètement décimé. Ses compagnons de lutte sont morts. Ses militants sont morts. Des centaines enfermés. Le président Kamto ne cède pas. Il ne cède pas. Alors, si le président Kamto ne cède pas à l'oppression, si le président Kamto ne négocie pas, si le président Kamto n'abdique pas, et le président Kamto compte sur nous pour continuer la lutte en diaspora, pourquoi est-ce que nous allons le trahir? Pourquoi est-ce que nous allons nous retourner contre lui? Pourquoi est-ce que nous allons l'abandonner? Pourquoi est-ce que nous allons le laisser seul contre le dictateur? Et c'est ce que je vous avais appelé ici la technique de désossement. Ils ont essayé d'arracher du monde autour de Kamto. Vous avez vu quand ce groupe de Calibri commence à se retourner contre le président Kamto, qu'est-ce qu'ils font? Dans tout leur live, ils commencent déjà par parler de Mamadou Mouta. Wow, vous avez abandonné Mamadou Mouta en prison. Wow, quand Mamadou Mouta n'est pas Bamileke, vous l'avez abandonné. Wow, vous ne parlez plus de Mamadou Mouta. Pensant ainsi susciter de la révolte chez Mamadou Mouta,
Surtout à une période où il était vulnérable, où il avait eu le Covid en prison. Parce qu'il faut le dire, le vice-président Mamadou Mota avait été malade en prison. Et ces gens ont voulu que dans sa maladie, il se rebella contre le MRC, contre le président élu. Et ils ont commencé à chanter son nom dans la toile tous les jours. Wow, vous avez abandonné Mamadou Mota en prison. Wow, Mamadou Mota. Chanson reprise en chœur par tous les sardinards. Malheur en a pris, Mamadou Mota n'a jamais trahi. Dieu seul sait quelles ont été les tentations et les pressions qu'il a subies. Il n'a jamais, jamais ployé. Ils sont quittés sur Mamadou Mota. Ils sont tombés sur Olivier Bibou Nissak. Wow, Olivier Bibou Nissak. Wow, demandez la libération de Bibou Nissak. Wow, pourquoi vous ne demandez pas la libération de Bibou Nissak? Wow, Olivier Bibou Nissak. Jusqu'à aller faire tout un camion de déménagement avec la photo de Bibou Nissak comme effigie sur ce camion. Des gens qui sont anti-Kamto, qui sont contre Kamto, qui veulent tuer Kamto, mais qui prennent la photo du porte-parole de Kamto et affichent sur leur camion, soi-disant que c'est le camion pour chasser Paul Biya en diaspora. Et je vais vous parler de ce camion-là. Remarquez avec moi qu'ils évitent soigneusement de parler du professeur Alain Fogué. Quand ils demandent la libération des prisonniers, ils évitent soigneusement de parler du professeur Alain Fogué. Ils vont vous parler de tous ceux qui ne sont pas Bamileke. Cela procède de quoi? De la tribalisation de l'entourage du président Kamto. De l'exacerbation des sensibilités ethniques autour du président Kamto. Ils sont allés même s'allier avec l'ex-fiancé du peuple, Michel Ndoki, qu'ils ont porté ici comme... comment on appelle? Qu'ils ont soulevé comme l'égérie du combat, de leur combat. Ils se sont insurgés contre nous. Dit qu'on attaque Michel Ndoki pour rien. Qu'ils sont avec Michel Ndoki. Elle a le droit, on ne le refuse pas. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais nous aussi, on a le droit de constater qu'elle a poignardé son leader dans le dos. Je suis désolée. La preuve, elle n'a jamais été en Consamba. Elle n'a jamais été à Bafoussa. Mais elle n'a jamais été à Japoma. Alors que même Maman Pilon, qui est partie de San Melima, était à Japoma. Donc, voilà donc les gens qui s'arrange à célébrer, porter tous ceux qui sont contre le président Kamto. À partir du pasteur Bonimenteur. Je dis, ils ont commencé avec le pasteur Bonimenteur. Tout ce qui s'attaque au président Kamto est allié à eux. En passant par celui qui est au Cameroun, là, qui dit, un petit rigolo qui dit qu'il est combattant, mais qui n'a jamais organisé l'ombre d'une marche. Tout ce qui insulte le président Kamto et qui est anti-Bamileke est bon pour eux. Simplement parce qu'ils essayent de tribaliser, de justement dépeindre la résistance derrière le président Kamto comme la résistance du village. Et c'est là où nous nous sommes levés, nous avons dit, le président Kamto a toujours le soutien et il aura toujours le soutien de la vraie diaspora combattante. Nous avons formé une dynamique solide, forte, derrière le président Kamto, qui aujourd'hui mène le combat en diaspora. Le noyau dur de la résistance en diaspora. Formé, évidemment, par les groupes que vous avez vus faire le boycott. Les Bobby Tanap, le CCD, les Amazones de France, les Amazones du UK, la base UK, la base ainsi de suite. Nous avons formé ce noyau dur qui continue le combat en diaspora et qui soutient Mordicus. Et lorsque nous avons formé cette dynamique, donc, nous avons mis à mal le plan de Calibri et son groupe. Calibri et son groupe qui avaient déjà fomenté un plan pour tuer le combat en diaspora. Avec bien sûr le soutien de la France. Parce que Calibri est parti chercher son soutien derrière la France. En contrepartie, on lui a promis qu'il aura les papiers. Donc, Calibri est parti au Quai d'Orsay aller vendre notre combat
en échange de ses papiers et de sa situation en France. C'est ça qui est la vérité. À l'heure où je vous parle, Calibri Calibro a les papiers pour résider en France. Et à l'heure où je vous parle, Calibri Calibro ne peut plus jamais mener une action en France, ni en diaspora. Je dis et je répète, à l'heure où je vous parle, Calibri Calibro a ses papiers en France. Et à l'heure où je vous parle, Calibri Calibro ne peut plus jamais mener une action en France. Parce qu'il a passé des accords avec la France. Parce qu'il a passé des accords avec la France. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Et vous avez constaté, comme tout le monde, y compris même ceux qui, par mégade, se sont alliés à lui, comment son train de vie a changé. Ce monsieur qui arrivait dans le combat, il avait à peine de quoi manger. Aujourd'hui, il vient nous montrer des liasses de billets pour quelqu'un qui n'a ni emploi, ni maison, ni rien. Il vient vous montrer le combat en Gucci, en machin. Ce n'est pas moi qui parle. Je vais vous faire écouter son allié d'hier, Oshiga, qui lui demande de venir expliquer d'où sort son argent. Son train de vie a changé. Il ne travaille pas, hein? Il n'a pas d'emploi officiellement, mais il vous montre que son train de vie a changé. Il a les papiers, son changement personnel est arrivé. À partir du moment où son changement personnel est arrivé, son combat s'est arrêté et il devait tout arrêter. Il a donc décrété que le combat est fini en diaspora et que maintenant c'est au 237. Donc pour lui, c'est bon, son combat a payé, son combat a donné. Il a ses papiers, il a son argent. Le combat peut s'arrêter. Sauf que il n'avait pas compté sur les chefs signés, sur les têtes brûlées comme nous, pour continuer ce combat. Et aujourd'hui, je félicite tous les combattants du noyau dur, en commençant par Villageoise du Couat, la femme forte de France. Lorsqu'ils ont voulu corrompre et mettre le désordre en France, parce que oui, c'était ça le plan. Il fallait mettre la discorde, semer la zizanie dans le combat. Ils ont utilisé des combattants affamés et des combattants sans direction pour créer la zizanie. Et vous avez vu le petit désordre qu'il y a eu en France. Villageoise du Couat a mis les choses dans les rails. Aujourd'hui, nous sommes comme ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en Belgique. Il y a un groupe fort en Belgique, avec des garçons forts, qui continuent de mener le combat, qui mènent même d'ailleurs ce combat de main de maître. Aujourd'hui, je peux prendre ma retraite sur le terrain. Je n'ai plus besoin de venir sur le terrain parce que je sais qu'il y a des combattants qui, lorsqu'ils sortent, ils frappent, bam, ça réussit. Ça réussit. Donc, lorsque mon caporal Grier Kemta s'assoit au UK, il me charge de mission. Il me dit, Sandy, va à Paris à telle mission. Il est tranquille parce qu'il sait que ces garçons-là, ces enfants, on va faire le boulot. On va faire le boulot. C'est de ça qu'il est question. Donc, M. Calibri, parlant dans le combat, ne peut plus jamais mener une action. Sachant qu'il ne peut plus jamais mener une action en diaspora. Sachant qu'il a lui-même déclaré que le combat est fini et que chacun aille s'asseoir chez lui. Dorénavant, c'est au 237. Qu'est-ce que Calibri vient chercher sur le terrain des actions lorsque nous qui allons faire la comédie, nous qui allons faire la zumba, nous qui allons chasser les souris alors que lui, il est chasseur de lions. Qu'est-ce qu'il vient faire sur le terrain? C'est ça la question fondamentale aujourd'hui. C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que Calibri qui a dit que le combat est fini en diaspora? Le combat est fini sur le terrain. Tout ce que nous faisons, c'est la zumba. Qu'est-ce qu'il vient chercher sur le terrain? La première action, quand Calibri se pointe sur le terrain, alors que les combattants s'en vont boycotter, c'est l'action au Quai Branly. La deuxième action, quand les combattants s'en vont boycotter les chefs traditionnels, Calibri se pointe avec Olivier Tchanan. Il sait, il est conscient du fait que il est connu même par les autorités françaises, même par la police française. Il est connu. Il sait très bien qu'à la minute où on va le voir, on saura que la brigade anti-Sardina est là et qu'on va prendre des mesures de protection. Une fois que les mesures de protection sont prises, l'action
peut échouer. Calibri vient quand même, avant les combattants, s'exhiber devant les sardinards, faire 15 minutes de show et partir. Il l'a fait une fois au Quai Branly pour les chefs traditionnels. Les combattants lui ont donné l'avertissement. Les combattants lui ont donné l'avertissement. La deuxième fois, il vient lors de l'action contre le RDPC à Paris. Calibri n'est pas dans le groupe du boycott. Il nous a dit ici que sa base, la base, ce n'est pas le boycott, la base, c'est Paul Biya. Il nous a dit ici que lui ne fait pas les boycotts. Il nous a dit ici que lui ne chasse pas les Mwanja Moto, il chasse le lion. Quand nous, on est dans le groupe de boycott, on prépare le boycott du RDPC pendant près d'un mois. On fait des réunions, on fait des stratégies. L'erreur que le général Wanto ou alors les organisateurs commettent, c'est de prendre un outil de communication qui est géré par une personne proche à Calibri. Erreur constatée, nous prenons effet et nous envoyons le message pour lui dire que nous serons sur le terrain. Et s'il vient sur le terrain, qu'il vienne pour participer à l'action. S'il ne vient pas pour participer à l'action, qu'il ne vienne pas. Le jour de l'action, un garçon proche de lui est avec nous, sur le terrain. Lui, il est venu se battre avec nous. Et il nous a rejoints à l'endroit des stratégies où on était. Il appelle ce garçon et le garçon nous avoue que c'est Calibri au téléphone. On lui dit, dis-lui de faire attention. Calibri s'en va à l'entrée de la salle du RDPC. Il sait très bien que lorsqu'il se met à cette entrée, le RDPC sait que la brigade anti-Sardina est déjà là. Peut-être le RDPC l'a méprisé parce qu'il était seul. Et ça joue à notre avantage. Le RDPC l'a méprisé parce que si le RDPC l'avait vu avec deux ou trois combattants, le RDPC aurait appelé la police à cet instant. Mais comme il était seul, ils ont donc jugé qu'il était négligeable. Mais l'alerte était déjà lancée, donc l'effet de surprise que nous avions prévu avait été tué. Calibri a tué l'effet de surprise que nous avions préparé en allant s'exhiber à l'entrée du RDPC. Et lorsqu'il lance son live, il dit dans son live que Wanto est déjà dedans. Donc, qu'est-ce que Calibri fait en effet? Calibri sait que les Sardinas vont suivre son live. Et il donne les informations aux Sardinas pour leur dire que les combattants sont déjà à l'intérieur. Si ce n'est pas de la traîtrise et de la trahison, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est pas de la traîtrise et de la trahison, qu'est-ce que c'est? Que quelqu'un m'explique ce que c'est. Il dit dans son live que Wanto est déjà à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les Sardinas savaient qui était Wanto, Wanto pouvait être agressé à l'intérieur de la salle. Wanto pouvait être tabassé à l'intérieur de la salle. Il met à cet instant Wanto en danger. Quand Calibri déclare dans son live que Wanto est déjà à l'intérieur de la salle du RDPC, Calibri vient en effet de vendre, de jeter Wanto en pâture aux mains du RDPC. Ça veut dire que si dans cette salle, il y avait quelqu'un qui connaissait Wanto, la personne serait allée agresser, tabasser Wanto. Au même titre que nos combattants ont failli mourir dans la salle de grâce des cas parce qu'ils avaient été trahis. Donc, à partir de cet instant, pour moi, je considère Calibri comme un traître. Parce qu'il vient en effet de jeter en pâture des combattants dans une salle remplie de sardinards. Est-ce que vous comprenez ça? Il vient à l'instant où il dit dans son live que Wanto est dans la salle, il vient de jeter Wanto en pâture entre les mains des sardinats parce que Wanto se retrouve isolé dans une salle pleine de sardinats. Et vous avez vu la violence avec laquelle ces sardinats nous ont attaqués avec des chaises en main. Moi-même qui suis une femme, ils ont lancé les chaises sur moi. Regardez
ce qu'il a fait ce jour-là. Regardons. Et je vais donc en revenir sur cette affaire de Katino. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans ma vie. Alors, regardons ce qu'il a fait ce jour-là. Regardons. Vous êtes fiers d'être là, allez-y. Bon. Mais je ne suis pas invité là. Ils sont invités. C'est pour les Camerounais ou pas? Non, non, non. Qui t'a invité? C'est pour les Camerounais ou pas? Quel Camerounais? Ça ne concerne que Paul Biya. Non. Toi, tu as dit que Paul Biya, comment? Non, ça ne concerne que Paul Biya. Tu as dit qu'il est génocidaire, non? Ben, il est génocidaire, est-ce que c'est pour? Non, nous, on ne veut pas ceux qui sont contre lui. Ah bon? Oui. Je suis là pour parler de mon pays. Non, non, non. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, s'il vous plaît. Vous êtes fiers d'être là. Allez-y, s'il vous plaît. Vous vivez correctement pendant qu'au Cameroun, c'est... Je ne sais pas parce que vous, hein. Non, ce n'est pas... Justement, là, j'ai pas de personne. Monsieur, parce que vous, monsieur, hein. Je ne sors pas parce que vous. Pour le moment, on vous dit, allez-y. Non, non, ne dites pas allez-y comme si... Non, allez-y. Dehors parce que je ne sors pas parce que je veux sortir. C'est là parce que vous, vous pouvez me dire. Mais sauf que... Tu ne peux pas faire ça. Non, non, non. Arrêtez vos histoires. Nous sommes pas au Cameroun. Si vous parlez vos histoires, que la police a fait quoi. Nous ne sommes pas de la police. Nous sommes les mains. Nous règle nos problèmes. Je suis devant vous avec les mains. Nous réclamons les mains. Auriez-vous la maturité de ne pas perturber une cérémonie? Auriez-vous la maturité de me respecter comme je vous respecte? Moi, je vous respecte. Voilà, c'est maintenant que vous parlez. Auriez-vous la maturité? C'est pour ça que vous parlez. Auriez-vous la maturité? Il me dit déjà que c'est un génocidaire. C'est un génocidaire. Mais oui. Ah ouais, c'est un génocidaire. Quel était le but de Calibri d'aller à l'entrée de la salle du RDPC seul et de se mettre à dire que oui, je vais entrer, je vais faire ceci? Quel était le but? Quel était le véritable but? Sachant que Calibri est au téléphone en même temps avec un autre combattant qui est avec nous. Calibri au courant de notre action, il sait que nous arrivons, il sait que nous sommes là. Si Calibri venait pour mener l'action comme il a prétendu, même s'il ne s'entendait pas avec nous, il devait se cacher et nous attendre. Attendre que nous on force la porte pour que lui aussi vienne entrer dedans et bagarrer, même s'il bagarrait seul. Vous pensez que si Calibri venait bagarrer avec un Sadina, nous on pouvait laisser que le Sadina tape Calibri? Si on voyait Calibri lutter avec un Sadina, qu'il est venu lutter, nous, on allait le défendre parce qu'on aurait vu qu'il est venu bagarrer avec les Sardinas. Mais ce qu'il fait là, ce n'est en rien une action. Calibri est venu signaler en effet au RDPC que la brigade anti-Sardina est là. C'était ça son rôle. Il est venu signaler au Sardina que la brigade anti-Sardina est là. Et lorsqu'il continue son live, il annonce dans son live que Wanto est déjà dans la salle. Et ça, c'est l'élément qui m'a fait sortir les cheveux sur le corps. C'est l'élément qui m'a fait sortir les cheveux sur le corps. Vous avez vu, en 2000, je crois que c'était en 2020, quand Macron était venu ici au UK, Macron était venu en visite ici à Londres. À l'époque, je n'étais plus dans la brigade anti-Sardina UK. Je ne m'entendais plus avec la brigade anti-Sardina. J'avais deux ou trois combattants qui étaient avec moi. Donc, j'avais mon petit groupe UK qui était derrière moi. Lorsque nous sommes arrivés sur le terrain de combat, le caporal Grier avait son équipe et moi, j'avais ma petite équipe. Mais sur le terrain, ça se voyait qu'on ne s'entendait pas, mais on menait la même action. En aucun cas, je ne suis allé gâter l'action du caporal Grier Kemta et en aucun cas, le caporal Grier Kemta n'est venu gâter mon action.
On était tous là pour le même objectif qui était d'humilier Emmanuel Macron. Alors, Calibri aujourd'hui ne s'entend plus avec nous. Il sort pour une action dont il est au courant que nous serons là. Au lieu de venir faire une action qui va aller dans le même sens que nous, c'est-à-dire mettre le RDPC à mal, il vient plutôt pour mettre notre action à mal. Il vient pour que notre action échoue. Il vient alerter le RDPC que nous sommes là. Et comme il ne peut pas dire au RDPC qu'ils vont venir gâter, parce qu'il sait que s'il le fait, ça fait de lui directement un traître, ouvertement, il dit, Wanto est déjà dans la salle. Il sait très bien que cette salle est remplie de sardinards. Et il sait très bien, parce qu'il connaît, il était dans le CCD, il connaît les gens qui sont avec Wanto. Wanto accompagné de deux combattants, Maxi, le doyen Beu et un autre combattant, qui sont tous des personnes d'un autre âge. Il sait très bien que dans cette salle de sardinards, si ces sardinards se fâchent et les repèrent, ils peuvent fermer la porte et tuer Wanto dedans. Pourquoi Calibri, dans son live, jette Wanto en pâture en déclarant dans son live que Wanto est dans la salle? Pourquoi Calibri le fait? Il sait qu'en le faisant, ces sardinards auraient pu fermer la porte, bloquer la porte et tabasser Wanto dedans. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, pour moi, ce garçon n'est plus un combattant. À partir de cet instant, à l'instant où tu jettes un combattant en pâture entre les mains de la sardine, tu n'es plus combattant. Tu n'es plus combattant. À partir du moment où tu jettes un combattant en pâture entre les mains d'un sardinard, tu n'es plus combattant. Tu n'es plus combattant. Parce que pour moi, un combattant contre un sardinard, je le défendrai mordicus. Même si je ne m'entends pas avec ce combattant, contre un sardinard, je supporterai toujours le combattant. Tu jettes un combattant en pâture entre les mains d'un sardinard. Tu annonces dans un live. Tu viens d'abord te faire voir et ensuite tu annonces dans ton live que Wanto est déjà dans la salle. Wanto est déjà dans la salle. Si je peux vous faire suivre tout son live et il ne dure pas longtemps. C'est un live de 15 minutes maxi. Il n'a pas mis long et il est parti après avoir déclaré ce que nous allions faire. Il est parti. Il est parti. À partir de ce moment, Calibri pour moi a cessé d'être combattant. Il ne combat plus. Il ne combat plus. Un combattant qui passe tout son temps à critiquer les actions des autres. Il nous a dit que nous allons chasser Grâce Deka. Est-ce que c'est Grâce Deka qui a fait la guerre aux nozo? Est-ce que c'est Grâce Deka qui a... Écoutez ce que Calibri dit des boycotts. Avant que je ne vienne sur l'affaire de Katino, je vous rafraîchis la mémoire sur ce que Calibri dit à propos du boycott des artistes. Et ensuite, je vais maintenant vous dire ce qui s'est passé avec Katino. Écoutons. En fait, nous avons la force que quand il s'agit des plus faibles, mais quand il s'agit des gens qui sont à notre niveau, nous n'avons pas la force. L'un des plus grands sardinards, est aujourd'hui en diaspora. Il va même être dans quelques jours. Je n'irai pas à sa rencontre. Ceux qui voudront y aller, je n'empêche à personne, mais moi personnellement, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas à l'état actuel des choses, à chercher où Steve Fah est. J'avais des informations claires, nettes et précises sur où Steve Fah était. Vous entendez ça? Il avait des informations claires, nettes et précises sur où Steve Fah était, mais lui ne va pas chercher Steve Fah. Nous sommes ici en mai 2022, je crois, 2022, lorsque nous avons fait le boycott de Grâce Deka. Écoutez bien, hein? Écoutez. Il connaît là où Steve Fah est,
Mais lui ne va pas aller chercher Steve Fa. Il avait des informations claires, nettes et précises sur là où Steve Fa est. Mais lui, il ne va pas aller chercher Steve Fa. Écoutons. Mais j'ai dit, j'ai décidé ne pas y aller. Parce que il faut que les Camerounais eux-mêmes analysent et prennent la conclusion qui s'impose. Arrêtez d'avoir un suivisme moutonnier. Arrêtons d'avoir ce suivisme. Tout simplement parce qu'on veut dire, ah, on a boycotté. Si on laisse ceux qui ont le pouvoir et qu'on aille s'attaquer à ceux qui n'ont pas le pouvoir, alors nous faisons de l'injustice, pas du combat. Steve Fa a le poids. Il se contredit. Il dit Steve Fa a le poids. Mais il a les informations là où Steve Fa a est. Mais il dit qu'il ne va pas aller le chercher. Steve Fa, dans ce régime, dans la communication d'embellissement de ce régime, a un poids et est un incontournable. Mani Bella peut appeler le gouverneur de la région du littoral n'importe comment, sauf s'ils ont les affaires du piment. Mani Bella peut appeler un gouverneur au Cameroun n'importe comment. Averro Jones peut-il appeler un gouverneur n'importe comment qui prend son téléphone, il lance, c'est le gouverneur, et il lance, le gouverneur voit que c'est Averro Jones, il décroche. Oui, Averro Jones, c'est comment, tu vas bien, ça va, machin. Il peut le faire. Je ne pense pas. Dans cet exercice, il est en train de critiquer l'annonce du boycott que nous avions fait contre Averro Jones et Mani Bella. Et il nous dit que c'est Steve Fa qui est la cible. Que Steve Fa, lui, il est le plus grand communicateur du gouvernement. Mais il nous dit aussi qu'il a les informations précises de là où Steve Fa est et qu'il ne va pas aller le chercher. Il dit qu'il ne part pas, mais Steve Fa est la cible. En fait, nous avons la force que ceux qui voudront y aller. Je n'empêche à personne, mais moi, personnellement, je n'irai pas. Moi, je n'irai pas à l'état actuel des choses à chercher où Steve Fa est. J'avais des informations claires, nettes et précises sur où Steve Fa était. Voilà. J'ai dit, j'ai décidé, ceux qui ont le pouvoir et qu'on aille s'attaquer à ceux qui n'ont pas le pouvoir, alors nous faisons de l'injustice, pas du combat. Steve Fa a le pouvoir. Steve Fa, dans ce régime, dans la communication d'embellissement de ce régime, a un poids et est un incontournable. Steve Fa a le poids, mais lui, il a les informations précises là où Steve Fa est. Il ne va pas le chercher et il le dit. Mani Bella peut appeler le gouverneur de la région du littoral n'importe comment, sauf s'ils ont les affaires du piment. Mani Bella peut appeler un gouverneur au Cameroun n'importe comment. Averro Jones peut-il appeler un gouverneur n'importe comment qui prend son téléphone, il lance, c'est le gouverneur, et il lance, le gouverneur voit que c'est Averro Jones, il décroche. Oui, Averro Jones, c'est comment, tu vas bien, ça va, machin. Il peut le faire, je ne pense pas. Mais Steve Fa peut appeler n'importe quelle autorité du Cameroun, il va décrocher instantanément. Parce que c'est la machine d'embellissement de l'image de ce dictateur, de ce gouvernement. Quand ils ont envie, vous avez vu pour la canne. Qui est-ce qu'on a pris pour vous dire que la canne était sucrée? Qui est-ce qu'on a pris pour faire un vidéogramme sur la canne? Mais c'est Steve Fa. Quand il faut vanter un ministère, c'est Steve Fa. Quand il faut monter ou bien faire un buzz sur une chose pour faire oublier quelque chose qui s'est passé, qui est-ce qu'on utilise? C'est Steve Fa. Et quand nous avons boycotté Steve Fa, Joseph Bamou qui est ici, je le salue, qui est celui qui avait asséné la gifle à Steve Fa, la gifle magistrale. Lorsque nous avons boycotté Steve Fa, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que nous étions des agresseurs, que nous étions violents, et il a fait tout un communiqué pour se désolidariser du boycott de Steve Fa. Il a produit un communiqué disant que la base, sous son leadership, se désolidarise des agressions. Il a fait un communiqué pour se désolidariser du boycott de Nathalie Nkoua. Donc, voilà quelqu'un, déjà dans son propre dit, il dit que Steve Fa est celui qui embellit la communication du gouvernement. Steve Fa, c'est un gros poisson, mais moi, je connais là où il est, mais je n'irai jamais le chercher. Mais lorsque nous allons boycotter Steve Fa et qu'on le tabasse copieusement, et vous avez vu, suite au boycott de Steve Fa,
On ne l'a pas amené au Qatar. Steve Fan n'est pas parti au Qatar. Steve Fan n'est pas parti au Qatar. Oui. Steve Fan n'est pas parti au Qatar. Suite au tabassage copieux de Steve Fan par la basse Belgique sous la houlette de Joseph Bamou qui est là, il a sorti un communiqué pour nous dire que lui se désolidarise. Il se désolidarise de la violence. Ce qui nous amène au boycott ou non de Maman Katino, à l'affaire Maman Katino. Vous avez vu la vidéo de Maman Katino qui est sortie dans la toile. Maman Katino a fait une vidéo exceptionnelle. Déjà, je vais vous mettre en contexte qui est Katino. Katino est l'artiste que nous avons le plus violemment boycotté dans toute l'histoire des boycotts. Katino est l'artiste que nous avons le plus violemment boycotté dans toute l'histoire des boycotts. Et pas qu'une seule fois. Parce que Katino, c'était une récidiviste. Katino la boycottait et elle nous défiait, elle nous mettait au défi. Les artistes demandaient pardon. Katino dit qu'elle ne demande pas pardon. Katino rentre au Cameroun. Elle va faire la vidéo où elle dit que si vous êtes Bouddha, vous devez être mère en Bouddha. Elle nous nargue. Elle nous insulte copieusement. Alors, Katino était ou est l'une des artistes les plus détestées en diaspora. Les plus détestées. Vous avez vu lorsqu'elle est partie à Dubaï l'été dernier. On n'a même pas eu besoin d'aller boycotter. Le public n'est pas parti. L'organisatrice de la soirée, elle-même a fait les voices où elle pleurait que sa soirée a été boycottée. Personne n'est sorti. Vous avez vu quand elle est partie aux États-Unis dernièrement. C'était pareil. Personne n'est parti. Personne n'est parti. Parce que le peuple Bamileke n'a pas encore digéré l'insulte, le mépris que Katino a eu envers lui. Elle avait demandé pardon. Mais son pardon n'avait pas été accepté, digéré. En plus de cela, en plus du fait que Katino est une multi-récidiviste, Katino est ce qu'on appelle l'artiste du palais. Attendez que je vous montre. Peut-être qu'on parle de Katino comme ça là. Peut-être vous ne vous rendez même pas compte du niveau de sardine. Je dis bien que vous ne vous rendez pas compte du niveau de sardine. Quand on parlait de Mani Bella et de Averro Jess, ils n'avaient même jamais chanté pour le RDPC. Katino, c'était ce qu'on appelait l'artiste de la sardine. Jamais su. Ah, un instant, attendez. Je vais vous montrer, je n'aurai peut-être pas des vidéos, je vais vous montrer Katino. Pour vous rafraîchir la mémoire un peu. Quand on disait Katino irrecevable, mais elle s'en foutait. Elle s'en foutait royalement. Katino nous narguait. Katino était l'artiste de la sardine. Regardez là. Regardez Katino. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cette maman-là? Là, voilà, hein? Voilà Katino, hein? Avec l'habit de la sardine partout sur elle. C'est comme ça qu'elle nous narguait. Elle nous narguait. Quand on disait Katino irrecevable, elle partait se filmer avec l'habit de la sardine et postait pour nous énerver encore. Elle nous narguait. Elle nous narguait, la matin, elle nous narguait. Katino, en plus d'être multi-récidiviste, en plus d'être l'artiste du palais, Katino a des liens très, très avancés avec la première dame et madame Nathalie Moudiki. Katino a des entrées au palais. Peut-être que vous ne vous rendez même pas compte de ce qui vient de se passer. Hein? Je pense que nous tous, même moi, nous tous, on ne mesure même pas encore l'ampleur de ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Voilà une artiste qui avait dit elle-même qu'elle est artiste du palais, qu'elle est artiste de Paul Biya, qu'on peut aller se foutre la tête là où on veut, qu'un Bouddha doit être mère en Bouddha. Aujourd'hui, elle nous sort une vidéo et elle parle comme aucun artiste n'a jamais parlé. Parce que ça, il faut le dire. Aucun artiste n'a jamais eu le courage d'avancer les mots que Katino a avancés là.
Elle ne parle pas du régime, on ne lui demande pas de parler du régime, mais elle dénonce la guerre, qui est une de nos réclamations, et qui est quelque chose que tous les artistes fuient. Même ceux qui disent qu'ils sont apolitiques, chacun fuit. Personne ne veut parler de la guerre. Tout le monde a peur de parler de la guerre. Ils ont tous peur de parler de la guerre du Nozo. Chacun, même les footballeurs, tout le monde évite de parler de la guerre du Nozo. C'est un sujet tabou au Cameroun. Voilà donc une artiste qui s'assoit au palais, qui fait cette vidéo. Et tout le monde se demande que, mais elle est tombée sur la tête. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive à Katino pour qu'elle puisse nous sortir une vidéo de ce genre? Écoutons encore bien la vidéo de Katino. Et je vous mets au défi de trouver une artiste qui a parlé comme ça, comme elle. Maintenant, je vous fais écouter la vidéo. Hein. Je pense que vous l'avez tous suivi. Mais la répétition est la mère des sciences. C'est même Oula. Si elle peut retrouver, il y a tellement de choses ici. Je pense que si elle va dans les groupes, je peux retrouver. Attendez un instant. Parce que quand elle va dans ma galerie, je ne vois pas, il y a tellement de choses. Alors. Écoutez bien ce que Maman Cathy nous dit. Hein. Regardez. La copine de Chantal Biya, la copine de Nathalie Moudiki, l'artiste du palais, l'artiste de la sardine, la multi-récidiviste qui nous a mis au défi plusieurs fois. Écoutons. Oh. Qui est en train de partir à sa femme, elle est même déjà finie. Chacun de nous doit faire le bilan. Il y a le bilan de santé, le bilan de vie, le bilan spirituel. Je viens interpeller tous les artistes et tout le peuple camerounais, le prix du maire. Nous sommes en ce moment d'entrée dans l'année 2023. Je ne suis pas d'accord avec la guerre au Nozo. Ça profite à qui? Je ne suis pas d'accord parce que ce sont des êtres humains qui meurent. Je ne suis pas d'accord de ce qui se passe au Nozo. Je refuse ça. Parce que ce sont des femmes qui ont porté ces hommes qui meurent. Ce sont des Camerounais qui sont en train de mourir. J'ai dit non à cette guerre. Je veux la paix au Cameroun. Je veux la paix et j'interpelle tous les artistes à le faire. J'interpelle tous les artistes à le faire parce que nous avons besoin de la paix. Je regarde quand il n'y a pas la paix. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons rien, ne nous mentons pas. Nous ne nous trompons pas. Je vous dis encore que c'est le prix d'une mère. Nous entrons en 2023. Gros, c'est gros. Gros, c'est gros. Gros, c'est gros. Nous avons besoin de cette paix pour vivre, pour être heureux. On partait partout. Il y a des zones maintenant que je ne peux plus aller. Il y a des zones maintenant qu'il n'y a plus de fête. Pourquoi nous privons le Cameroun de la fête de ce côté? Non, c'est impossible. Je refuse ça. Je suis encore en train de voir, la vie est devenue chère. L'huile qui était à 900 francs, c'est devenu 1800 francs. Pourtant, il y a des pays frontaliers à côté de nous qui ne produisent pas de l'huile, mais qui vendent de l'huile à 1200. Mais nous-mêmes qui produisons de l'huile, nous vendons l'huile à 1800 francs. Ce n'est pas normal. La vie est devenue chère. Nous produisons le manioc. Le manioc maintenant, deux tubercules. Deux tubercules, tu les achètes à 1000 francs. Non, ce n'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez de traumatiser le peuple. Arrêtez de nous traumatiser. On est fatigué. Arrêtez de nous traumatiser. J'ai dit non à cette vie chère-là. J'ai dit non. J'ai dit non à cette vie chère. Nous avons besoin de la paix. Pourquoi vous voulez que on meure? Vous voulez que nous mourons? Pourquoi? Regardez les enfants, le Cameroun de demain. Il faut scolariser tout le monde. Donner la chance à ses enfants. Vraiment, l'année 2023 doit interpeller tout le monde. Ça doit interpeller tout le monde. Je vous dis encore que c'est le prix d'une mère. C'est le prix d'une mère. Et j'interpelle toutes les femmes artistes, tous les hommes, de prendre ce même chemin à interpeller. De savoir que ça ne va pas. Hein? Il faut scolariser tout le monde. Tu vois la santé, les besoins. Quand quelqu'un est malade, tout le monde ne peut pas. Voilà. Tout le monde ne peut plus aller à l'hôpital. Donc, vous avez tous suivi cette vidéo de Maman Cathy. Et beaucoup, j'imagine, hein, je vois beaucoup de gens ont été choqués.
Mais le plus important, c'est que cette femme, pour quelque raison que ce soit, je répète, pour quelque raison que ce soit, elle a fait un message qui est en train de toucher des millions de Camerounais. Ce message a été relayé par de multiples pages. Ce message est vastement apprécié. Et ça, c'est ce que nous demandons aux artistes. C'est pour ça qu'on boycotte les artistes. On ne les boycotte pas parce que c'est eux qui vont aller faire la politique et tout. On les boycotte parce qu'ils ont une voix qui porte. Et vous avez vu, lorsque nous avons commencé avec Mani Bella et Averro Jess, comment les autres ont commencé la dénonciation. Les Nathalie Koa et tout ça se sont lancés dans la dénonciation des problèmes des enseignants. Vous avez vu Moustique le charismatique qui fait aujourd'hui dans une dénonciation satirique. Et ça porte, ça parle. C'est ce qu'on demande aux artistes. Donc lorsque Maman Katino fait cette vidéo et que cette vidéo apparaît dans la toile, évidemment ça crée le choc. Il y a M. Calibri qui décide de récupérer cette vidéo et de faire comme si elle émanait de son travail à lui. Parce que pour lui, tout dans le combat, c'est toujours lui qui a tout fait. C'est lui qui a créé la brigade anti-Sardinale. C'est lui qui a créé le mot, le logo. C'est lui qui a inventé. C'est lui qui a approché Macron. C'est lui qui a fait toutes les actions. C'est monsieur, moi, tout, c'est lui. Donc, il court, évidemment, récupérer l'action. Comme il a couru récupérer l'action du RDPC en vendant notre combattant à l'intérieur de la salle, comme il a couru au Quai Branly aller récupérer l'action, il court une fois de plus récupérer la vidéo de Maman Katino et pour en faire un direct ou une vidéo, faire comme si c'était lui qui avait trop travaillé et que voilà le résultat de son travail, Maman Katino est en train de dénoncer. Je vais maintenant vous expliquer le contexte de cette vidéo de Maman Katino. Je vais maintenant parler de cette vidéo. Je vais parler de cette vidéo. Maman Katino ne sort pas en effet au hasard. Maman Katino ne sort pas pour rien. Maman Katino sort après que nous ayons eu de longues discussions avec une promotrice en diaspora qui aimerait la produire, qui aimerait la faire venir jouer en diaspora. Il y a de cela 3 semaines, une promotrice me contacte, elle me dit qu'elle voudrait faire venir Katino en Europe, est-ce qu'elle est boycottable? Je lui dis, ce n'est pas à moi de décider. Je travaille dans un groupe avec des combattants et nous prenons les décisions en collégialité. Je vais soumettre votre doléance au groupe de travail et je vous reviens avec leurs décisions. Le groupe de travail examine la question et tout le groupe de travail dit « Katino est irrécevable, on ne veut pas d'elle que cette femme choisisse quelqu'un d'autre. » Je retourne vers cette dame, je lui transfère les réponses du groupe de travail. Je dis « Madame, ils ne sont pas d'accord, cherchez une autre artiste. » La dame donc me dit « Vraiment, ma sœur, ce que vous faites, le travail que vous avez fait, le travail que vous faites est en train de porter. Moi-même, promotrice, je ne peux plus m'amuser à faire une soirée sans d'abord venir vers vous parce que je ne veux pas perdre de l'argent. Je n'ai d'ailleurs pas d'argent. Je me débrouille pour aider les gens au Cameroun à travers une association caritative. Mais je vous assure que le travail que vous faites est en train de porter parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes sont déjà conscients. C'est ce que cette maman me dit. Et donc, cette dame s'en va avec discuter avec Katino et elle me revient avec des voices de Maman Katino qui dit qu'elle va faire une vidéo. Elle va faire une vidéo. Et le lundi qui suit,
Maman Katino, effectivement, poste la vidéo. La vidéo de Maman Katino, elle est même allée plus loin que ce que j'avais espéré. Je pensais qu'elle allait juste dénoncer la vie chère et tout. Mais elle est allée plus loin. Elle a dénoncé la guerre du Nozo. Mais en plus d'avoir dénoncé la guerre du Nozo, elle invite les artistes à le faire. Et c'est ce que nous demandons à ces artistes depuis. Vous pensez que si ces artistes-là dénonçaient la guerre, je paierais un billet d'avion à 600 livres pour aller les boycotter? Joseph ferait 600 km de route pour aller les boycotter? Non. Maman Élise prendrait le train depuis la Suisse à près de 400 euros pour venir boycotter? Non. Vous pensez que ça ne pèse pas aussi dans nos poches? Ça pèse. Même dans notre temps, notre énergie, même les risques que nous prenons sur le terrain. Vous avez vu dans le boycott contre Grâce des cas, nos combattants ont failli mourir dans la salle. Nous prenons des risques lorsque nous allons à ces boycotts. Nous prenons des risques énormes. Et tout ça simplement parce que nous voulons que les artistes, les influenceurs, tous les gens qui ont une voix qui porte, commence enfin à dénoncer ce qui se passe dans notre pays afin de conscientiser la population. C'est de ça qu'il est question. On les a appelés les petites mains de la dictature. Quand nous avons boycotté les Nathalie Nkoua, les autres, on a dit non, elles sont innocentes. Est-ce que c'est Nathalie Nkoua qui gère le budget du Cameroun? Vous la boycottez pourquoi? Quelques mois plus tard, elle prenait les millions de l'État du Cameroun pour aller à la CAN. Quelques mois plus tard, les Lolo Fondja voyageaient en première classe avec les laissés-passer diplomatiques pour aller à la CAN. Elles avaient les passeports faits en 5 minutes. Voilà donc l'État du Cameroun qui reconnaît que ses influenceurs ont une voix qui porte. L'État du Cameroun utilise ses influenceurs pour faire sa communication. Mais vous, vous nous dites ici qu'on ne doit pas les boycotter parce qu'ils ne sont rien. Ils sont les Mwanja Moto. Ils sont les petits poissons. Vous, vous allez chasser Paul Biya. Et quand il faut chasser Paul Biya, on ne vous voit pas. Ça fait 2 fois successives que Biya vient à Genève. Calibri n'est pas allé le chasser. Lui qui nous a dit qu'il est le chasseur de lions et que lui ne chasse que Paul Biya. Calibri nous a dit ici qu'il est le chasseur de lions. Paul Biya est venu avant le 20 mai. Il était à Genève. Ils ont fait les levées de fonds de près de 4 000 euros. 4 000 euros cotisés. Et ils ne sont pas partis. Je me suis retrouvée à Genève seule avec Maman Élise et Hilaire en train de chasser Biya à l'aéroport. Calibri, le chasseur de lions, était où? Calibri, le chasseur de lions, était où? Lui qui a dit qu'il ne chasse pas Grâce des cas. Parce que Grâce des cas, c'est la distraction, c'est le Mwanja Moto. Il ne fait plus de boycott. Mais voici le fruit du boycott. Cette vidéo de Katino, c'est le fruit du boycott. C'est parce que Katino a peur que nous allons la boycotter. C'est parce que la promotrice ne veut pas perdre son argent. C'est le fruit du boycott qui est en train de payer. Ce n'est pas le fruit de ton bavardage inutile. Si tu étais encore dans le combat, c'est toi qu'ils allaient contacter. Mais on ne t'a pas contacté parce que tu ne représentes plus rien. Tu es Sardina dorénavant. On contacte ceux qui peuvent aller gâter les soirées. On contacte ceux qui ont fait les preuves, qui gâtent les soirées. Tu viens t'asseoir, tu récupères la chose, tu dis que oui, c'est le fruit de... C'est le fruit de quoi? Tu as fait quoi, Calibri? En dehors de pondre les communiqués pour te désolidariser des boycotts, en dehors de nous qualifier de violents, de sauvages. Aujourd'hui, que les artistes ont peur de la violence et de la sauvagerie, parce que c'est de ça qu'il est question. Ils ont peur de notre violence. Nous avons établi le rapport de force. Nous avons établi le rapport de force. Aujourd'hui, chaque artiste sait que quand il vient se produire en diaspora, la brigade anti-Sardina va intervenir. Nous allons intervenir. Et on, ça ne chauffe même pas. Vous avez vu ce que nous avons fait au RDPC. Quand nous, on atterrit. Quand
nous, on atterrit. On casse de la sardine. On ne rigole pas. C'est ça qu'on appelle le rapport de force. Et nous avons établi le rapport de force. Monsieur Calibri, tu n'es rien dans cette affaire de Mama Katino. Les échanges que j'ai avec cette dame, pas Katino, sa promotrice, datent de plus de 3 semaines. Et ces échanges sont relayés au groupe de travail. Et à l'heure où je vous parle, le groupe doit statuer sur le cas Katino. Nous devons statuer sur le cas Katino. Nous allons statuer sur le cas Katino. Lorsque nous aurons statué, nous allons faire une communication officielle là-dessus. Et ce n'est qu'après avoir fait la communication officielle que la promotrice va continuer son travail. Et c'est comme ça. Je vais vous montrer. Donc, monsieur le bavardologue de Facebook vient nous montrer le travail qu'il a fait pour que Katino fasse une vidéo. Mais moi, je vais vous montrer aujourd'hui le travail que le noyau dur, le groupe de boycott fait depuis 3 semaines pour que cette vidéo sorte. Regardez. Voici le premier jour quand j'envoie le message dans le groupe avec les photos de l'association que cette femme m'a envoyée. Nous sommes le 3 décembre 2022. Regardez. Voilà les photos que la dame a envoyées de son association. Voilà le groupe. Voilà le message que la dame a envoyé. Voici ça ici. Je vous lis le message. Bonsoir, madame. C'est à moi qu'elle dit, madame. Comment allez-vous? Ah non, là, c'est pas... Non, c'est pas le premier message. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Comment allez-vous? Je viens aux nouvelles concernant ma doléance sur Katino. Cordial salutation. Donc, elle envoie... J'ai mis ça dans le groupe. Voilà ça que j'ai mis dans le groupe. Voilà ça. Et j'écris donc, bonjour les gars. Je viens comme ça auprès de vous pour vous soumettre les doléances d'une organisatrice de soirée qui veut inviter Katino. Elle voudrait notre avis. Elle a envoyé les images de son association caritative. Voilà ça. Voici le message. Voilà ça. Voici ça. Monsieur le récupérateur, tu as vu qui on a contacté? Tu as vu les qui travaillent? Tu as vu les qui sont en train d'amener les artistes camerounais à dénoncer? Est-ce que tu as vu les qui sont en train d'amener les artistes camerounais? Ce n'est pas avec la fleur, hein? C'est avec le boycott actif et violent. C'est avec ça. Et ça, crédit à tous les gars qui se déplacent chaque fois qu'on a un boycott. Crédit à chacun d'eux. Omer de Banjoun, le colonel Yann, Kamer Kodia La Paix, toute la brigade belge, Annie Choco. Comment est-ce que je me mange même la bouche? Joseph Bamou, tous les gars de Belgique. Parce que quand on fait boycott là, la Belgique vient avec au moins 2 voitures. La Belgique, minimum, je dis bien minimum, 2 voitures se mettent en route venant de Belgique. Venant de Belgique, au moins 2-3 voitures. Je compte les gars de Paris qui se mobilisent. Solo, Landry, tous les gars de Paris, là, je ne peux, ils sont tellement nombreux. Les Jutsa, les Pierre Fobeté, ils sont nombreux. Ils se mobilisent. Le général Wanto, avec tous les gars du CCD, se mobilisent. Voici un travail que nous faisons depuis 1 an. Où on fait des boycotts violents. On nous a appelés de tous les noms d'oiseaux dans cette toile. On nous a insultés de tous les noms d'oiseaux. On a dit que j'étais à la tête des brigands, que Sandy dirige les brigands en diaspora. Les brigands qui vont agresser les gens. Vous avez dit ici que Sandy dirige les brigands qui agressent les gens. Aujourd'hui que les brigands amènent les artistes à réclamer, à s'indigner, vous vous mettez devant pour récupérer? Vous vous mettez devant? Vous vous mettez devant? Ça, c'est même les qui, ça, non? Voilà les échanges dans le groupe. Les gars ont commencé à voter. Voici ça dans le groupe. Les gars ont commencé à voter.
Les gars ont commencé à voter, 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 voter. Et c'est donc les réponses du groupe que je transmets à la dame. Je transmets à la dame. Et quand la dame réagit, je ramène encore dans le groupe. Quand la dame réagit, je remets dans le groupe pour que tout le monde écoute, tout le monde suive. Par respect pour cette... C'est-à-dire, je vous ai déjà dit ici, je vous ai déjà dit ici que nous avons un groupe incorruptible. Personnellement, quand un sardinat m'appelle, et que tout le monde le sache, hein, je ne cache pas, quand un sardinat m'appelle, quel qu'il soit, qu'il sache d'emblée qu'il est enregistré. Quand un sardinat m'appelle d'emblée, qu'il sache qu'il est enregistré. Pourquoi il est enregistré? Parce que je sais que ma tête est mise à prix. Parce que je sais que n'importe quel petit détail peut me tuer, me descendre, peut même affaiblir le combat. Parce que je ne voudrais pas qu'on se retourne demain et qu'on dise qu'on avait donné l'argent à Sandy ou bien que Sandy était allé demander de l'argent. Ça fait 4 ans que je mène ce combat. Personne ne peut ici venir vous dire qui m'a corrompu. Personne. Personne. L'argent que je reçois quand on fait des manifs, il y a des âmes volontaires qui nous donnent souvent de l'argent. Vous avez toujours vu comment je viens déposer le bilan dans la toile. Je fais un bilan détaillé. Je dépose et je donne les sources et ce que j'ai fait de l'argent. En général, quand on me donne de l'argent pour une manif, je redistribue aux combattants. Je le fais toujours, de façon systématique. Tout ce que je reçois, je redistribue pour aider au transport, pour aider à la logistique, et ainsi de suite. Et ça, j'ai reçu peut-être une ou deux fois de l'argent pour les manifs et je l'ai fait avec bilan à l'appui. Avec bilan à l'appui. En termes de dépenses personnelles, je dis bien personnelles, je ne veux pas siffler ma propre trompette, mais je sais ce que je mets dans ce combat. Je sais ce que personnellement, je mets dans ce combat. Donc, j'ai des enregistrements de toutes les conversations. Je dis bien toutes les conversations. Tout. J'ai tout. Je dis tout. Il n'y a même pas un seul élément que quelqu'un cause avec moi que je n'ai pas. J'ai tout. Tout. Le sardinat qui va venir ici dit. Et c'est d'ailleurs pour ça que jamais. Vous avez vu que dès qu'ils ont eu un petit truc pour m'avoir, ils l'ont fait. Mais en ce qui concerne l'argent, il n'y en a pas. Personne, je dis bien personne. Je n'en ai pas besoin. Les combattants n'en ont pas besoin. Ils travaillent, ils se débrouillent. Donc, la vidéo que vous avez vue, produite par Maman Katino, est l'émanation des semaines de travail, d'un groupe de travail, par les combattants pro-Camto et qui mènent le boycott en diaspora. Le fruit d'échange houleux. Écoutez, Maman Katino, avant de faire cette vidéo, elle était déjà décidée à le faire. Elle a décidé de son propre chef de faire cette vidéo. Maman Katino, je veux bien personnellement, et ça je parle en mon nom, personnellement je veux lui accorder le bénéfice du doute. Et je vous promets qu'avec ce qu'elle a fait, vous allez voir même d'autres artistes commencer à changer. Parce que ce qu'elle a fait là, c'est historique. C'est historique. Maintenant, qu'elle l'ait fait, pour quelque raison que ce soit, l'essentiel c'est qu'elle l'a fait et c'est ce que nous voulons. Nous demandons aux artistes de le faire. Nous demandons aux artistes de le faire. Attends, même à ton spectacle là. Je vais pas jouer tout ça. Je vais pas jouer parce que nous voulons justement que les promoteurs, comme cette dame, viennent vers nous.
Ça nous évite des affrontements. Ça nous évite des bagarres. Ça nous évite des actions qui peuvent nous coûter la vie ou la prison. Mais surtout, 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 ça permet aux personnes qui ont la voix, qui portent, comme Katino, comme ces artistes, de parler des problèmes de notre pays. Et c'est ça l'essence de notre combat. C'est ça l'essence de notre combat. Lorsque nous faisons le boycott, on ne le fait pas pour s'amuser. On ne le fait pas parce que ça nous fait plaisir. On le fait parce qu'on veut obliger les artistes à s'indigner. Et le but de l'indignation, c'est quoi? C'est d'éveiller le peuple. Le but de l'indignation, c'est pour que le peuple devienne éveillé. Alors, si ces artistes commencent à s'indigner, alors notre boulot est en train d'être effectué. Notre travail porte ses fruits. Nous allons donc garder cette porte ouverte. Et nous invitons donc tous ces managers, ces promoteurs de soirées qui sont conscients et qui veulent voir leur soirée réussir à travailler avec nous, à travailler avec les artistes, à demander aux artistes de s'indigner. C'est ça qu'on veut. On ne veut rien d'autre. On demande aux artistes de s'indigner. Et quand les artistes vont s'indigner, on va les laisser tranquilles. Et que ce soit sur la continuité, la durée. La vidéo que Katino vient de poster là, vous ne savez pas le remue-ménage, le remous que c'est en train de causer dans le sérail. La vidéo que Katino a postée est en train de causer du remous dans le sérail. Parce que Katino était l'artiste du palais ou est l'artiste du palais. Si l'artiste du palais dénonce, à plus forte raison, les Nyamangolongs artistes. Katino était l'ami de Chantal ou est l'ami de Chantal Biya. Katino est l'ami de Nathalie Moudiki. C'est elle qui demande qu'on arrête la guerre. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de très fort. C'est quelque chose de très, très fort. Elle invite les autres artistes à demander la fin de la guerre. Et si ces artistes pouvaient se mettre ensemble et faire une chanson pour demander la fin de la guerre, ce serait même mieux. Ce serait mieux. Ce serait mieux. C'est ce que nous voulons. Donc, pour assurer le sérieux de ce que nous faisons, pour rassurer les promoteurs qu'ils peuvent échanger avec nous, en toute confidentialité, il y a des éléments que je ne vais pas publier, mais je vous ai montré les échanges qui se sont faits dans le groupe de travail depuis le 3 décembre 2022 pour aboutir à cette vidéo. Il y a même des voices de Maman Katino ici. J'ai les voices de Maman Katino. Je ne les jouerai pas. Voilà, j'ai ça. Fait ça. Peut-être que même je vais... Je ne les jouerai pas. Dites au récupérateur de venir mettre les voices du travail avec lui. Je ne les jouerai pas. Par respect pour tous ces gens-là, je ne les jouerai pas. Mais c'était juste pour vous montrer que nous avons les éléments. Et c'est nous qui travaillons. C'est nous qui sommes sur le terrain. C'est nous qui sommes contactés. Parce que c'est nous qui allons boycotter. Les promoteurs et les artistes ne vont pas aller négocier avec quelqu'un qui ne fout plus rien. Qui a vendu son combat à l'Élysée. Qui est parti vendre son combat à la France. Et qui a déclaré que le combat est fini en diaspora. Et donc, je vais conclure ce live. Mais je vais le conclure avec vigueur. Donnez-moi, je m'en vais boire de l'eau. Et je vais conclure ça debout. Partagez massivement. Parce que je vais passer le message tout de suite à Calibri. Partagez-moi ce live. Les 5 minutes qui suivent, je vais cracher le feu. Je vais cracher le feu. Partagez ce live. Je bois l'eau. Quand je reviens, je vais cracher le feu. Donnez-moi 5 minutes. Partageons, partageons.
Voilà, je suis debout. Maintenant, je vais parler. Calibri Calibro, cher fils, comme je t'ai appelé, pendant longtemps, tu étais mon fils. Je t'ai porté, je t'ai adulé, je t'ai soulevé, je t'ai défendu. J'ai prié pour toi, j'ai lutté pour toi, j'ai pleuré pour toi. Calibri, je te dis aujourd'hui, tu es le combattant qui s'est enrichi dans ce combat. Tu es le combattant qui a fait de ce combat sa source de revenus. Tu as pris l'argent de tous les côtés, sous le nez et la barbe de tout le monde. Les laitiers pleuvaient à gauche et à droite à ton nom. Les cotisations à gauche et à droite à ton nom. Et Résistance Alberta qui t'a donné de l'argent pendant des mois, chaque mois pendant au moins 2 ans. Tu avais les faux profils et les mamans qui cotisaient pour toi chaque mois pendant des années. Vous m'avez caché parce que vous saviez que Sandy bavarde. Il ne faut pas que Sandy sache. Mais à la fin, vous étiez un jour obligé de me mettre dans le secret de Dieu en me demandant de cotiser pour ton loyer. Tu veux que je sorte la preuve? Tu veux que je sorte la preuve? Tu veux que je sorte la preuve? Tu as pris le peuple de la résistance avec l'émotion. Oh, on a violé ma fille. Si vrai, je ne sais pas. Mais moi, je sais que si on violait ma fille, alors que je suis une combattante, l'ambassade du UK serait par terre. Ce n'est pas le bac Badjo. Si quelqu'un touche à un seul cheveu de mes enfants, vous savez que moi, je suis d'abord folle. Je crame tout et je vais en prison. Oh, on a fait ci. Oh, on veut me tuer. Oh, tout le monde me déteste. Oh, tout le monde veut me tuer. Tu as profité de ce combat pour t'ériger en victime et mettre tout le monde comme tes agresseurs, des gens qui te détestent, des gens qui te haïssent. Calibri, tu es entré dans ce combat pour ta fin personnelle. Comment peux-tu justifier qu'un combattant qui était à Paris, tu as travaillé avec les gars, les fils du planteur, les masses, tout ça. Tous ces gars, comme toi, n'avaient pas les papiers. Aucun d'entre eux, tu ne t'es battu pour personne parmi eux pour qu'ils aient les papiers. Tu es parti négocier tes papiers pour toi seul. Pour toi seul. Voilà Max qui est en exil, en Irlande. Il ne peut plus sortir à cause des papiers. Tu ne pouvais pas aussi bagarrer pour que Max ait les papiers? Fils du planteur, il a ses papiers seul. Quel est le gars qui a marché avec toi et a bénéficié quoi dans ce combat? A bénéficié quoi? Tout c'était moi. Tu as recruté une équipe. Et ça, encore une fois, aujourd'hui, j'ai accompli l'exploit de ne pas parler de ces personnes de l'ombre qui sont derrière toi. Mais le jour va venir où je vais parler d'eux. Je vais parler de Mel, du rôle qu'il joue auprès de toi. Qui est ce Mel? Mel, c'est celui qui a construit l'image de Calibri en image. Mel, c'est celui, quand on faisait les actions, qui ne filmait que Calibri et faisait passer Calibri pour le héros, pour celui qui menait l'action et que tous les autres combattants étaient les figurants. Mel, c'est celui qui a chassé tous les autres combattants derrière Calibri. Il a chassé Stéphane Tchoumbou. Il a commencé à chasser Fils du Planteur. Qui est ce Mel? D'où sort-il? Quel rôle joue-t-il? Pourquoi il a ses entrées au palais? Qui est-il? Mel a travaillé avec nous. Il était dans les manifestations avec nous. Personne ne l'a jamais filmé. Personne n'a la photo de Mel. Même moi. Il se mettait toujours de l'autre côté de la route pour filmer les actions. Personne n'a la photo de Mel. Personne ne connaît son nom. Qui est ce Mel qui a créé des fausses pages
pour te vilipender, afin de te faire passer pour une victime. Qui est ce mail qui a tous ses faux profils dans Facebook, qui t'insulte pour te faire passer pour une victime? Qui est-il? Qui est cette Nandi Zulu qui est venue dans notre combat derrière Anango et qui aujourd'hui a avoué dans le groupe de travail qu'elle était l'amie de Ndoki et qu'elle travaille avec Ndoki, qui déteste Kamto au point où elle refuse de faire des représentations graphiques pour des projets portant le nom de Kamto? Qui est cette Nandi Zulu? Qui sont ces gens qui sont derrière toi? Mais tu sais, Calibri, l'imposture ne résiste jamais au temps. L'imposture ne résiste pas au temps. Il a fallu que le combat dure afin qu'on voit ton vrai visage, y compris moi. Oshiga, quand vous avez recruté, sentant ta mort prochaine, tu as une armée de faux profils qui t'ont érigé dans la toile et qui ont pensé diriger le combat en terrorisant tous les autres combattants, en traumatisant tous les autres combattants. Mais aujourd'hui, ces faux profils se sont rendus compte que le règne de la terreur ne passe plus et que le combat continue et se porte même très bien sans toi. Le combat se porte très, très bien sans toi. Avec ton armée de faux profils, vous êtes parti recruter Oshiga, sentant ta mort prochaine. Vous êtes parti la recruter pour m'attaquer, pour m'insulter. Qu'est-ce que cet Oshiga fait aujourd'hui? Ça ne lui a même pas pris 2 mois pour ouvrir les yeux. Ça ne lui a même pas pris 2 mois pour ouvrir les yeux. Écoutons ce que Oshiga, et je vais conclure par là, parce que maintenant je vais cracher le feu. Écoutons ce que Oshiga, la nouvelle recrue qui hier m'insultait, est en train de dire de leur gourou. Pardon, qui viennent parler ici, hein? Je vous attends. Les étonnes de luxe, tout ça. Franchement, je ne vais pas dire qu'on m'avait bien prévenu, parce que moi, je sais que les êtres humains sont ondoyants et divers. Donc, je ne suis pas plus choquée que ça, en fait. J'ai juste pitié pour vous. J'ai juste pitié pour vous, des vieilles personnes qui n'êtes pas capables. Quand je fais mes lives ici, vous n'êtes pas capables de dire ce que vous pensez. Vous avez besoin de vous exprimer là où on va m'insulter, en croyant que vous allez enfin trouver la personne qui va vous aider. Elle, c'est qui? Un faux profil? Quelqu'un qui ne peut pas montrer son visage? Moi, je vais avoir peur de cette personne. Mais vous avez craqué. Vous avez craqué. Vous êtes les qui? Si vous tentez, je sors tous les jours sur Calibri. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien me faire. Vous avez compris? J'étais à Bruxelles. Moi, je suis allée marcher. On était les premiers à être arrivés. Quand vous êtes arrivés à la fin, Calibri et Sandy. Sandy vous a dépassé là-bas. C'est sur Oshiga que vous êtes arrivés. Calibri pour avoir les étoiles. Lui-même, il a quoi? Lui-même, il a quoi? Avant, je faisais comment pour avoir les étoiles, donc, quand je ne parlais pas de lui? Je faisais comment? Elle utilisait les combattants pour avoir les étoiles. Les mêmes combattants qui mettent ce travail gratuitement pour eux. Bélin, fuck you all. Vous avez compris? Je vous emmerde profondément et ne revenez pas sur ma page. Si vous pensez que ma page, nous ne vivions pas avant vous, je vous informe que nous préférons être peu, mais des gens vrais, pas des fanatiques. Imbécile que vous soyez, tous autant que vous êtes. Je vous rappelle que c'était la nouvelle recrue de ce groupe. Il a toujours fonctionné avec les influenceuses. Les femmes de la toile. Si vous écoutez bien, les étoiles cribiennes, elles le disent toujours. Oh, je cause avec Calibri. Les Lolo Fondia, oh, je cause avec Calibri. Il est le meilleur de vous. Les Fleurs de Lille, il cause avec toutes les influenceuses. Il est ami avec toutes les influenceuses. Continuons. Voilà leur nouvelle recrue, hein. Qui font des jeux amoureux et ceux qui sont dans leurs amitiés à 2 balles et ceux qui veulent être les stars du lycée. Vous pensez que j'ai peur de vous? Vous pensez que j'ai peur de vous? Je vous attends de pied ferme. Oh, le commandant du camp.
combattre sa façon. Mener son propre combat. Vous vous combattez pour qu'on vous binda le soir. Vous combattez pour avoir les vues. Vous combattez pour être célèbre, pour être connu. Pour porter les Louis Vuitton. Pour porter les Gucci. Pour les Litchi. Moi, je combats pour mon pays. Je n'ai jamais posé un litchi pour dire que c'est le transport pour partir marcher. Quand je venais marcher, personne ne me payait le transport. Vous, on vous paye le transport. Personne ne me payait le transport quand je venais marcher. Attendez, je vous bloque celle-ci-là. Bloque les marabouts. Donc, voilà donc la nouvelle recrue qui s'est retournée contre lui. L'imposture ne dure jamais longtemps. Monsieur Calibri nous a dit ici que le combat est fini en diaspora et que dorénavant, ça se passe au 237. Nous a dit ici que le combat... À cet effet, lui et sa bande ont mis un camion avec la photo de Bibou Nissak dessus, soi-disant que c'était pour aller chasser Bia. Et qu'ils allaient mettre l'écran pour projeter les images du Cameroun et circuler partout avec ça. Calibri, Bia venait d'être à Genève. Ton camion, Michael Knight, était où? Il n'y avait pas le carburant pour conduire ça jusqu'à Genève, aller chasser Bia. Il n'y avait pas le carburant. Wow, le combat, c'est au 237. Wow, c'est fini en diaspora. Oh, je chasse les mondiaux, je chasse les lions. Bia est venue à Genève avant de partir à Washington ou à New York. Ton camion était où? Tu as dit que c'était le camion que tu vas chasser Bia maintenant, non? Que toi, tes pieds ne touchent plus le sol. Maintenant, tu montes seulement dans le camion de déménagement pour chasser Bia. Le camion de déménagement est devenu ton arme de combat. Tu nous avais promis la lutte armée. Au lieu de la lutte armée, tu nous produis un camion avec la photo de Bibou Nissak dessus, soi-disant que c'est avec ça que tu vas chasser Bia. Bia est à Washington ou à New York. Tu es où avec ton camion? Mets le camion dans le bateau. Tu vas chasser Bia avec le camion. Tu nous as dit que c'est avec le camion là que tu vas chasser Bia, non? Bia est assis à Washington. Il y a les photos de Bia, les vidéos de Bia partout. Ton camion est où? Où est le camion? Où est le camion? Tu as bien une brigade aux États-Unis, non? Tu as Je Guy Mon Avis, tu as Maureen l'Africaine, tu as Sylviane Chamo, tu as tous ces gens-là. Donc, Kassé fait toujours le tour des États-Unis, non? Depuis que Bia est aux États-Unis, toi qui es le vrai combattant, toi qui nous as dit ici que Messanga Nyanding est venu travailler sur nous pour qu'on ne chasse plus Bia, ta brigade des États-Unis est où? Je Guy Mon Avis est où? Il ne peut pas aller chasser Bia avec ses muscles. Tous les jours, Je Guy Mon Avis fait les pompes ici devant nous, non? Je Guy Mon Avis fait les pompes avec le caleçon devant nous ici tous les jours, non? Hein? Je Guy Mon Avis pour nous montrer tes pectoraux fatigués avec tes vieux muscles. Tous les jours, tu fais les vidéos ici avec le caleçon. Un vieux père comme ça là, qui fait les vidéos tous les jours en caleçon. Tu nous montres les pompes, tu nous fais comment, tu nous montres comment tu fais le sport ici tous les jours, non? Va chasser Bia. Bia aux États-Unis, va le chasser. Maureen l'Africaine, l'igname des États-Unis. L'igname. La femme qui a le cou mélangé avec le corps. Voilà Bia qui est sur votre territoire. Vous êtes où? Bia peut tenter de venir ici? Vous savez depuis combien d'années Bia n'est plus venue ici au UK? Me voici femme debout. Me voici femme debout. Vous avez compris, non? Me voici femme debout. Même seule, je parle chasser. Le 20 mai, j'étais à Genève. Tu avais pris 4000 euros, Calibri. 4000 euros de United for Cameroun, tu avais pris. Tu n'es pas parti de chasser. Mais le camion, vous avez un financier aux États-Unis, non? Titon Bessala, le haïtien. Il a les millions, non? Qu'il arrête de donner aux prisonniers politiques parce que Sandy a parlé. Qu'il mette votre camion, le camion du déménagement là. Qu'il mette ça dans le cargo. Vous partez chasser Bia avec. Parce que tu nous avais dit ici que ton camion c'est pour chasser Bia.
Voilà Bia qui se promène tranquillement à New York. Je dis mon avis est où avec son caleçon. Sylvian Tchamo, les Igname et Maureen l'Africaine, allez chasser Paul Biya. Ce n'est pas le basketball, ce n'est pas le wawawa, ce n'est pas la bouche. J'ai chassé Biya avec mes gars, on a vu. J'ai mené les actions avec mes gars, on a vu. Quand vous vous ouvrez vos fesses ici pour parler de Sandy, voilà Biya qui est assis à Washington. On ne vous voit pas. Vous êtes où? Dents cassées, le billet d'avion pour aller aux États-Unis, c'est seulement pour aller manger le tarot sans viande dedans. Prends le billet d'avion, tu peux chasser Biya, non? Vous avez le camion qui chasse Biya, non? Le camion de Michael Knight. Vous avez dit que vous allez mettre les gadgets dedans. Que quand on appuie le bouton comme ça, fioup, ça sort les photos de Biya à gauche. On appuie encore l'autre bouton, fioup, ça passe à la vitesse supérieure. Vous nous avez dit ici que maintenant votre combat est devenu technologique. Que vous n'êtes plus dans le bavardage. Vous avez sorti le camion. Que maintenant, quand la voiture de Biya démarre en Suisse, vous aussi vous démarrez le camion. La voiture de Biya fait mou. Votre camion est derrière, ça fait mou. La voiture de Biya prend le virage. Le camion fait moi. Depuis que Biya est à Washington, vous êtes où? Seulement avec mon nom dans vos bouches. Ah, Kabozout, j'ai partagé ma Kabozout. Bien, ma cap. Vous comprenez, non? Mais en partageant, je chasse Biya. Je dis mon avis. L'igname des États-Unis. La tête mélangée avec le cou. Une femme qui est comme la tortue ninja. Anna. Allez chasser Paul Biya. Voilà, Paul Biya, il est comme ça là. Il est déjà croulant. Avec le... On a défrisé les cheveux de Paul Biya. Ses cheveux sont collés sur la tête. Il est comme ça là. Un petit vieux vous dépasse. Quand c'est pour ouvrir vos larges bouches sur Sandy ici dans la toile, on vous entend. Vous multipliez les vidéos tous les jours. Voilà Biya qui est aux États-Unis depuis des jours. On ne vous voit pas. Personne n'est même allé faire le repérage. Les sardinas sont allés danser à l'hôtel. La présidence de la République, le cabinet civil a fait le communiqué jusqu'à donner l'adresse de l'hôtel. Aucun d'entre vous n'est parti. Aucun. Vous nous avez dit ici que vous ne chassez plus les Mondiamoto. Vous chassez le lion. Vous avez le camion de Michael Knight. Quand vous travaillez dans le silence, maintenant c'est avec le camion là. Le camion de Michael Knight là, que quand vous appuyez le bouton, pioup, l'écran sort seulement vous. Ça sort les images et c'est ça qui va chasser Biya. Voilà Biya aux États-Unis. Calibri, tu vas ambiancer le peuple comme ça jusqu'à quand? Tu vas ambiancer le peuple jusqu'à quand? Ambiance le peuple avec tes histoires. Tu as compris, non? Ambiance le peuple avec tes camions, avec tes patatis, avec tes patatas. Personne ne va venir gérer vos histoires de camions de Michael Knight. Vous n'avez même pas l'argent pour mettre le carburant pour aller chasser Biya Genève avec le camion. Aller chasser Biya Genève avec le camion vous a dépassé. Vous nous avez dit que vous n'avez plus besoin du nombre, que maintenant le camion là, c'est Michael Knight. Le camion de Michael Knight est là. Vous appuyez seulement le bouton. Fioup! La caméra sort. Ça montre les photos. Et c'est ça qui va chasser Biya. Donc maintenant, les gars, je vais passer au sérieux. Voilà. Je vais maintenant m'adresser à Calibri Calibro. Et je m'adresse à lui. J'ai mis mon apparat. Je vais m'adresser à Calibri Calibro maintenant. En tant que la générale des Amazones de la Révolution. Je vais lui parler. Tout de suite. Et comme je parle là,
c'est terminé. Je ne reviens plus là-dessus. Aujourd'hui, je mets la croix. Comme ça, là. Ave, terminé. Aujourd'hui, terminé. Terminé. Donc, Calibri Calibro. Mon cher Calibri, toi qui as été adoré par le peuple, toi qui as été adulé, toi qui as porté les espoirs de tout un peuple, de toute une résistance, tu as combattu. J'ai combattu à tes côtés, Calibri. J'ai nourri des espoirs en notre combat, en ton combat. Je continue de nourrir des espoirs en notre parce que tu n'es plus dans notre combat. Tu n'es plus dans notre combat. Il n'y a pas un combattant qui a lutté pour toi comme je l'ai fait dans ce combat. Il n'y a pas un combattant qui t'a porté au firmament envers et contre tout dans ce combat comme je l'ai fait. Il n'y a pas un combattant qui s'est pris des coups dans ce combat pour toi comme je l'ai fait. Il n'y a pas un combattant qui a passé des nuits de sommeil, qui s'est fait des ennemis. Comme moi, je l'ai fait pour toi dans ce combat. Cher Calibri, c'est avec amertume que j'ai constaté ton glissement hors du combat. C'est avec beaucoup de désolation que j'ai remarqué que tu t'es détourné du chemin du combat. Qu'au lieu de te battre pour le peuple, tu t'es mis à te battre pour toi, pour ton changement personnel, pour tes papiers, pour un peu d'argent, pour un petit statut. Et c'est même avec dégoût que j'ai vu que tu as poussé l'ignominie au point de te comparer au président élu, au point de penser que tu pouvais représenter une alternative à Kamto. Alors je te dis ceci. Soit tu sors de ton cauchemar, soit tu continues. Mais lorsque tu continues, arrange-toi à te mettre loin de notre combat. Je répète, Calibri Calibro, moi Sandy Boston, je te parle aujourd'hui en tant que la générale des Amazones. Le jour où je te vois encore sur un terrain d'action, je te traite comme un sardinard. Et tu sais ce que ça veut dire. Le jour où je te vois encore sur un terrain d'action, tu seras traité au même titre qu'un sardinard. Et tu sais ce que ça veut dire. Tu sais comment nous traitons les sardinards. Je fais cette déclaration à Mondovision aujourd'hui. Arrange-toi à ne plus jamais te retrouver sur notre terrain d'action. Tu as décrété que le combat est fini en diaspora. Arrange-toi à ne plus jamais te retrouver sur un terrain d'action où nous sommes. Deuxièmement, arrange-toi, monsieur Calibri, à ne plus parler des actions que nous menons. Arrange-toi à ne plus parler, je dis bien ne plus parler. Autant tu ne parles plus du président élu Kamto, autant tu ne parleras plus des activités des combattants pro-Kamto. Arrange-toi à ne plus parler
des actions que nous menons. Parce que tu as choisi d'être de l'autre côté maintenant, de nous combattre. Si par mégarde, un artiste, un comédien, un blogueur poste quelque chose, mène tes enquêtes d'abord pour savoir si on n'est pas derrière. Parce que si tu mets encore ta bouche dans ce que tu ne connais pas viendra à toi. C'est moi qui te le dis. On ne peut pas travailler pour que tu viennes saboter notre travail. On ne peut pas se casser comme on le fait pour que tu sortes de nulle part pour saboter notre travail. Ta petite comédie s'arrête aujourd'hui. J'ai dit bien, Calibri, c'est Sandy qui te le dit. Ta petite comédie s'arrête aujourd'hui. Je ne veux plus te voir sur nos terrains d'action. Je ne veux plus, moi, je ne veux plus te voir. Ne mets plus jamais les pieds sur nos terrains d'action. Wang toi échappé. Mais on ne sait pas ce qui arrivera au prochain. On ne veut plus te voir. On ne veut plus te voir. Et on ne veut plus jamais que tu te mêles de notre travail. Que ce soit la toute dernière fois. Arrange-toi à faire tes choses avec tes blogueuses, tes influenceuses et le reste de ta clique. Dirige ton train de ton côté. Le jour où ton train fait encore l'erreur de traverser et de te mettre sur nos rails, c'est comme ça là qu'on va t'écraser. Je te le dis solennellement aujourd'hui. Tu me comprends avec quoi? Tu me comprends avec quoi? C'est ta mère, hein? C'est ta mère. J'ai attendu. J'ai toléré. Beaucoup de mes camarades ont toléré. Jusqu'à l'action du 6 novembre. Où les gars ont dit trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Là, tu as franchi le Rubicon. Tu as franchi le Rubicon. Je parle ici sous le contrôle de tous ceux qui nous suivent. Calibri Calibro se présente encore à une action. Il sera mélangé avec les sardinards. Traité de la même façon que les sardinards. C'est ça. Une fois que c'est dit, tu connais où ton côté se trouve maintenant. Parce que tu n'es plus avec nous. Tu n'es plus un combattant. Tu peux continuer à travailler avec Titon Bessala pour promouvoir le grand MRC de Ndoki. Tu peux continuer à recevoir de l'argent des Mirabel Chamba et de tous les autres faux profils et tonnes de luxe pour payer ton loyer mensuel. Mais de grâce, laisse notre combat tranquille. À l'époque, je payais, mais c'est terminé ça. C'est terminé. C'est terminé ça. C'est terminé. Et je te dis aujourd'hui que c'est la voix la plus autorisée qui te parle. Je suis la voix la plus autorisée pour te dire ça, Calibri. Tu as raté l'opportunité de réintégrer le combat en te joignant à nous lors du boycott du RDPC. Alors ne viens plus jamais parce que tu mets nos gars en danger. Plus jamais, on ne veut plus te voir. Plus jamais. Plus jamais. Tu vas mener ton combat ailleurs, mais arrange-toi à ne plus nous croiser sur le terrain. Plus jamais.
jamais. Et arrange-toi à ne plus parler de nos actions. Arrange-toi. Arrange-toi à ne plus parler de nos actions. C'était ça l'essence de mon message aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas montrées. Il y a beaucoup de choses que je ne vous ai pas, que je n'ai pas. Mais je pense que l'essentiel de la communication a été fait. L'essentiel a été fait. Je vous ai dit, je ne suis pas venue dans un acharnement. Je suis venue remettre les points sur les i. Parce que si je voulais l'acharnement, je serais descendue dans les détails les plus sinueux. Je serais rentrée dans les inbox les plus profonds. C'est terminé ça. C'est terminé. Donc, c'était ça. Je parle aujourd'hui avec l'autorité qui m'a été conférée par les combattants avec lesquels je travaille. Le général Wanto, le caporal Grier Kemta, toute la brigade des boycotts et le noyau dur. Calibri Calibro. La séparation est définitivement actée. Comme avait dit ton amie Karine, amputée, c'est jetée. C'est elle qui l'avait dit. Eh bien, amputée, c'est bel et bien jetée. Merci.